genoux, toi. Arrête de tenir à genoux, toi. Mais à genoux, les genoux à terre. Tu... À genoux, toi. Allez. Hein? Est-ce que tu as écouté doublé? Tu ne comprends pas le commandement? Hein? Je te demande de mettre tes genoux. Tu fais les gags à moi. C'est bien, yeah, yeah, yeah. Je ne vous ai rien fait. Je n'ai rien fait. Laisse-moi te dire, tu m'as tué ou ça même quoi ton nom. N'importe comment que tu veux ça, on est seulement prêt pour te donner. Pensez sur lui. Calaté, calaté. Le gars, il est sur catch. Beauté, il est beauté. Oh, oh. Même à l'aïe, tu as l'aïe. Tu faire comme les autres. Alors que tu n'en mets pas la force. Je vais te taper comme ça là. Allez, tu vous... Je veux dire, mon père. Hey, qu'est-ce qu'il vous a fait? Je ne l'ai rien fait. J'étais en guerre, j'ai un combattant pour poursuivre. Et moi qui me l'appelle pour m'amener ici. Vous me faites tout ici. Ah, hé, hey, Atio, ce gars est un gros menteur. Il nous appelle filles garçons parce que nous voulons jouer à son ballon. Oui, et il nous a payé les énormes patates bébés. Ah, une boye, Thomasy. Est-ce que ce qu'elle disait est vrai? C'est un peu ça. Je jouais même quand je les appelais. Tu as compris? Tu as suivi tout ce qui se met à avancer aux gens. Des mauvaises paroles, n'importe comment. Pardon. Comme ça, la prochaine fois, ça va. Il saura que... qu'il est odieux, là. Laissez-le partir. Ce que vous avez déjà fait est suffisant. Tu peux partir. Laisse-nous faire ce que tu nous as promis. Nous allons continuer. Lui, il doit nous payer la décharge et l'amende. Qui tient, le tient, il m'a dit Dubaï. Qu'est-ce qu'il ne va même pas avec vous deux là? Je veux demander de laisser partir et tu parles de payer les amendes. Pardon, et Oubi et Dieu, il y a Toriolan, Abi. Je veux pas, je veux pas. Poumé. Quel pardon? À condition qu'il nous donne, on le pardonne. Lève-toi, tu peux le faire. On l'a vu aujourd'hui. On l'a tapé. On lui a fait ça. On lui a fait ça. Il fait, souviens pas à minuit. Il n'y a pas de problème, ma mère. Il n'y a pas de problème, ma mère. Il fait pas chercher mon problème. Je veux le taper. Il nous appelle fille garçon parce qu'on voulait jouer au football avec lui. Oh, il y a autofilé. Et Joe. Il y a quelque chose dans le cas. Fuyez à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous voulez faire tomber la maison, quoi? Il y a quelque chose de bizarre dans la voiture. Quelque chose de bizarre? Oui. Où? À l'intérieur. Ceci? Attends, sérieusement, c'est ce qui vous a effrayé? Une perruque? Vous l'avez tué? Es-tu stupide? Tu es quoi? Essayes-tu de tuer une perruque? D'où viens-tu? Tu viens de la brousse? Vas-tu te dégager d'ici? Des grandes filles, c'est tout ce que j'entends. Et pourtant, vous avez peur d'une simple perruque et certainement vous êtes celle qui l'avait laissée dans la voiture. Hé, hey, ne remets plus ça à l'intérieur. Oh, vraiment? Allez, viens. Des grandes filles, c'est tout ce qu'on entend ici tout le temps. Petite madame, vous pouvez partir. Eh, pardon, asseyez-vous. Je voudrais vous parler. Asseyez-vous. Elle dit quoi? Tantino, parle vite. Moi, mes oreilles sont en train de se refroidir. Hé, Joko,
Asseyez-vous, non. Ah, oh, ma tantine, bavardez tout ce que tu bavardes souvent. Nous voulons aller taper ce garçon, la prendre ce que nous voulons la prendre. Cécilia. Fomi. Présente, c'est mon nom. Non. Pourquoi vous vous comportez comme ça, non? Hein? Kilodete wa sebi okuribaye. Chaque jour, c'est voilà, voilà, voilà. Kilodé est dégant. Hein? Corrige ce que tu viens de dire, tantine. C'est quoi? On n'a pas causé le tort à quelqu'un. Que faites-vous donc? Qu'il est ici, qu'il est un fou, voilà. Qu'est-ce que vous faites donc? Nous avons tapé avec nos mains parce qu'il nous a avancé des mauvaises paroles. Vous causez le voilà aux gens. Exactement. Ah! Attends, laisse-moi te poser cette petite question. Quelle question? Quelle question? Si quelqu'un qui pouvait te faire des problèmes, qu'est-ce que tu feras à cette personne? Hey! Et comment tu vois les gens qui ont rendu ton visage comme ça? Si c'est là, tu penses, tu es. Hey! C'est que ça peut jamais moi ton père. Papa, tu fais comme si c'est une personne qui m'avait fait ceci. C'est deux personnes qui m'ont fracturé la bouche comme ça. Je ne veux pas savoir si c'est une ou deux personnes qui t'ont fait ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas passer avec mes yeux que le colochi. Hein? Si je ne fais pas pire que ça, c'est que. D'ailleurs. Regarde ce que ces gens m'ont fait. Regarde ma bouche, comme ils l'ont déformée. Maxo, pourquoi ne l'as-tu pas tapé même un peu? Hein? Tu l'as essayé de faire ton visage comme ça, pourquoi? Hein? Papa, il n'y avait pas la force. J'essaie. Ce genre était vraiment fort. Regarde ça. Tu as Momo? Non, ça va pas me taper personne, Momo. Comme le chantier, je vais la tuer aujourd'hui. Elle t'a vu ça? Je vais la tuer. Tu peux pas voir ma bouche. Je vais la tuer tous les deux. Avance. Regardez la façon dont je vous parle comme ça. Hein? Je ne veux pas que vous allez bagarrer avec les hommes. Ils vont vous blesser. Et vous savez que vous n'êtes que des femmes. Vous n'avez pas de force. Tantine, hey, laisse-le pour nous. Tu ne sais pas ce que nous avons. Regarde mon biceps. Regarde force. Mon biceps. Hein? Regarde l'autre. Regarde l'autre. Le laisser à deux, n'est-ce pas? Une fois, non. Hein? Ah. Regarde ce mille-là maintenant. Nous, on a mis le bonbon dans la bouche. Pas la bouche. Maintenant, là. Il nous respecte. Oui. Ah. Hein? Et tu dis qui a la force. Regardez. La force. Etienne Moko Benini, ne savez-vous pas que c'est des femmes? Hein? Si vous bagarrez comme ça, hein? Quel est l'homme qui va accepter de vous marier? Lorsque ce moment arrivera, tu enverras des maris pour nous épouser, n'est-ce pas? Mais non. Même ce mari que Dieu va nous préparer, il sera amoureux. Très bien. Hey, Barakba! Si votre papa et votre maman étaient en vie, vous allez voir les gens de filles qui m'ont laissé ici. Oh mon cher! Non, Tantis, laisse-nous pardonner. N'appelle pas ce que ma père et maman nous ont dit. Je n'aime pas ça. N'est-ce pas, je t'ai dit que l'un de moi, mon Dieu, que tu te rappelles tout de ça. Laisse-nous tout simplement faire autre chose. Enlève-moi, papa, lève-y. Ce sont elles qui m'ont fait tuer sur la bouche. Enlève-moi. Ce sont ces deux filles. Je suis mort. Thomas. Non, c'est les femmes qui t'ont frappé et t'as pas le porter comme ça. Je ne laisse rien faire. Que la tête te frappe, c'est bizarre ça. Après, tu t'attends à la maison. Wompa. Papa, où est-ce que tu t'en vas, non? Wompa. Arrêtez, même des problèmes sur nous. Ma tante, je n'aime pas ça. Quelqu'un est parti apporter la plainte contre toi et tu dis quelque chose. Je n'aime pas ça. Tu veux me tuer ou tu es en train de vouloir me tuer? Oh, j'ai tellement hâte d'arriver. Les élections commencent dans les 10 prochaines minutes. Ça va, nous sommes déjà presque arrivés. Oh. Mais, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu gares? J'ai oublié ma bouteille d'eau. Je dois aller la chercher. Mais nous pouvons utiliser la lumière, nous sommes déjà presque en retard. Je ne peux aller nulle part sans ma bouteille d'eau. Tu sais que j'ai cet spécial attachement. Donc, qu'est-ce que tu dis? Nous retournons à la maison? Question, bien sûr qu'on retourne à la maison.
GM. Monsieur, ouvre le portail. C'est chacun qui appelle à son tour. Fais vite, fais vite, fais vite. Tout le monde. Ma chère, je suis tellement inquiet par rapport au comportement de ta fille. Pour les relations humaines et tout ce qui gravite autour de ça. Chérie, je ne comprends pas ces enfants. Elles sont si orgueilleuses. Si orgueilleuses. Et je ne sais même pas de qu'est-ce qu'elles tiennent. Probablement de tes gens. Pas du tout. Tu connais ma famille. Nous ne sommes pas orgueilleux. On ne s'affiche pas. Sinon, tu n'aurais pas accepté de m'épouser. Tu as raison. Je blaguais juste. Je crois qu'elles ont reçu de leurs amis. Je le pense aussi. Quelque chose doit être fait par rapport à ça. Urgentement. Je voulais même aussi te demander. Où est-ce que tu aimerais qu'on aille demain? Dis-moi juste où tu veux aller, je t'amènerai là-bas demain. Ok. Il y a un nouveau restaurant qu'on vient d'ouvrir au campus. C'est qui ça? Cette femme grasse qui vient d'ouvrir un restaurant. Ok, c'était je pensais ça. À t'amener quelque part où on pourrait juste sortir ensemble. Et en fait, je pensais... Brian, n'as-tu pas mieux à faire avec ton temps au lieu de traîner avec une perdante? Pourquoi ne peux-tu pas juste dégager et t'occuper de tes affaires? Ok, ça ne me regarde pas. Stacy, tu as changé ta greffe? Oh, mon Dieu, ta greffe est moche et fausse. C'est pas vrai. Ma tête est moche? Bébé, tu l'as entendu. Ta tête est moche. Ne t'occupe pas d'elle. Écoute, si tu crois à ces filles, tu pourrais croire à n'importe quoi. Elles essaient de te mettre mal à l'aise, ne vois-tu pas ça? Oh mon Dieu. Bébé, qu'est-ce que tu essayes? Non. Allez, donne-moi ça. Tes cheveux sont parfaits. Sophie, c'est juste... Ok, lève-toi. Je viens juste de faire cette fête. Lève-toi. Debout. Lève-toi. Allons-y. Calme-toi, tes cheveux sont parfaits. Calme-toi. Bébé. Arrête tu avec ça. Juste de la faire. Allez, viens, on va. Ça va. C'est de bon, bébé. Sac. Calme-toi. Bien. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je veux que tous vos poèmes soient prêts le jeudi prochain. Et gardez à l'esprit que tous vos poèmes seront récités devant toute la classe. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Bien. Bonne journée. Merci, madame. Venez ici. Est-ce à moi que vous êtes en train de parler? Je parle à ton fantôme. Tu me dis que ma sœur fait la publicité? Oh. Hein? Ok, qu'est-ce qu'il y a? Toi, c'est qui? Tu marches, tu passes. Tu vois les aînés. Voilà. Tu ne peux même pas dire bonjour, tu t'occupes pas de nous. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Hein? Après le premier, le deuxième offense. Offense? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par offense? Tu nous appelles fille. T'es pas tantine. Tu nous as bien regardé. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Offense numéro 3. Mmh. Questionner l'autorité constitutionnelle. Hein? S'il vous plaît, je m'en vais quelque part et je ne voudrais pas être en retard, s'il vous plaît. Yes. Hein? Dis quoi? Attends, attends, attends. Ne sois pas pressé. Quoi? Alors tu ne nous connais pas. Hein? Tu ne sais pas que nous sommes ceux-là qui font le haut dans cette communauté. Vous n'êtes pas sérieuse. Oui, attends, moi. S'appelle le français à nous. Tu es folle. Tu es folle. Qu'est-ce que je vous ai fait, vous, ces gens? Ça va, tu es malade. Hein? Allez, hein? Je vais m'aider. Salut, nous. Tu vois, demandez. Vas-y. Vous n'êtes pas sérieuse. Vous blaguez. Je vais mourir. Tu parles à qui comme ça? Hein? Tu parles à qui? À genoux. À qui? Je dis à genoux. Allez, à genoux. Je veux toi. Votez maintenant. Hein? Laisse-moi. Attends un peu. Toi? Le soin, toi, le soin, le poing. Allez, à genoux. Ok. Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, dedans? Les bêtises, les choses qui sont dedans. Fouille, laisse le sac. Fouille. Amène l'argent, hein. Rien que les stupidités, il n'y a pas l'argent dedans. Lève-toi. Lève-toi, Lève les mains. C'est quoi? Mon fils, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Cécile FMI. Qu'est-ce qui se passe? Que tu cours comme un lapin, comme poursuit de la brousse. Tapé. Et qui les a battus? Non, elles sont en train de taper sur une femme là-bas. Yé, quoi? Ces filles vont attirer des amis sur nous un jour. Non, ça va. Non, mon fils à l'homme, dépêche-toi. Voilà, tu as demandé de venir taper ici. Quoi? Hein? Je vais te montrer. Je regarde notre route ici. Quand je vais passer, tu dois nous saluer. Oui. Si tu ne nous salues pas, regarde la prochaine fois. Tu dois regarder notre tête quand tu passes. Mesdames, je ne vous ai rien fait. Oh. Tu nous as appelé Lady V. Non, moi je ne veux pas. Elle doit nous appeler Tantine. S'il vous plaît, vous ces gens, laissez-moi partir. Quand tu vas nous promettre la rançon du kidnapping que nous faisons ici, nous allons te laisser partir. Tu paies la rançon et tu t'en vas. Et tu m'en es. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il est arrêté parce qu'il nous désobéit. Nous avons fait un toron-toron comme ça. Elle marche comme ça, elle était commando. Attends un peu. Oh, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Je ne laisse rien faux. Je passais juste moi. Elles m'ont appelé et ensuite elles ont commencé à m'embarrasser. Mon Dieu, tu es une menteuse. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. N'est-ce pas, ma soeur? Je me suis dit ça à elle. Non. C'est ça, le bastonnet qu'on a donné. Pardon, fermez vos bouches. Taisez-vous une minute. Ah, tu savais même quoi ça? Ça veut dire quoi? Maman, ça veut dire quoi ça? Ma soeur, t'occupe pas d'elle. Te fâche pas. T'occupe pas d'elle. Continue ta route. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-nous. Pourquoi? Si je suis en train de te prévenir, de fermer ta bouche. Si tu ne le fermes pas, je vais la boucler avec ma main. Ah, ça veut dire quoi ça? Oh, va-t'en, va-t'en, ma fille. Va-t'en. Ah, vous allez voir. Laissez-la partir. Ma soeur, tu vas me manquer. Ah, donc, moi, ça, je vais rester dans cette Ibadan. Oh, toi, si tu vas me manquer, je prie qu'un jour tu viens en ville pour me trouver. Amen. Ma soeur, moi je pense à quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que ma soeur, Cécilia, maintenant qu'elle va devenir une fille de la ville, elle sera en train de peindre ses yeux et mettre le lustre. Maintenant, tu vas poser les ongles qui sont longs comme ça. tu vas mettre les chaussures qui avaient longs talons. Tu vas maintenant marcher comme ça. Cueille. Ah, Fumi, tu as le mauvais cœur. Tu penses profond, mauvais tout le temps. Eh, ma chérie, ne te dérange pas. J'ai appris que ma tante, son mari, Samson, il a beaucoup d'argent. Et il habite dans une grande maison à la cité. C'est pour ça que tu es jalouse. Je suis jalouse de ton mari. Oh, ne te dérange pas. Chaque chose a son temps. Je te connais. Tu viendras en ville me battre là-bas. Ne te dérange pas. Attends, allons emballer les habits. Comme ça, on va acheter le sac pour nous. Allons-y. Oh, merde!
Quoi? Hmm? Quoi? Ok. En une seule condition. En une seule condition. Ok, parle. Vous allez dire à Stacy demain que ses cheveux sont les plus beaux cheveux que vous n'avez jamais vus de toute votre vie. Ok, chill. Nous savons. Non. Brian, tu sais que c'est pas bien de mentir. En plus, un mensonge emporte un autre mensonge. Sommes-nous d'accord ou pas? En d'autres termes, allez-vous le faire? Bien sûr que nous allons le faire. Oui, nous le ferons. Oui, je vais lui dire. Bien, sortez de ma chambre. Merci. Sammy, laisse-moi aller collecter mon argent à cette place. Tu connais cet argent. Il m'attend maintenant. Après, je vais courir pour aller vers la maison. Oh, quand tu vas aller en ville, tu me gardes un gros cadeau. Tu salues ma dame. Ils vont entendre. Tu salues son mari et ses enfants. Ils vont comprendre. Quand tu seras près de la ville, je vais te dire qu'une place qu'on appelle Nata Mouchon. Tu salues National Mouchon pour moi. Si tu vois Goslo dans cette ville, salue-le pour moi. Si tu vois ce grand homme qui est comme ça, qui fait comme ça, tu le salues pour moi. Encore un national flag. Tu le connais, non? Tu le connais, non? Il est géant comme ça. Tu le salues là pour moi. Je le salue. Goslo, je le salue. Tu veux le saluer? Si tu vois, je dis Abou Romami. Il ressemble à un docteur qu'on appelle Washala. Tu viens pour moi. Je veux saluer si le vois. Oh, laisse-moi aller collecter mon argent. On se voit. Oh. Viens. As-tu des chutes des oreilles? Un ou deux. Les deux, tout. Laisse-moi t'avertir. Ce stupide fille, ce stupide garçon, l'autre là que nous avons tapé l'autre jour, Jenny, et tous les autres là, si tu cherches ton problème et que tu ne peux pas bagarrer seul, appelle-moi, je veux voyager et je veux bagarrer. Pourquoi tu m'embarrasses comme ça? Comment ça, je t'ai embarrassé? Ah, as-tu oublié que moi je suis un homme? Dès que je me trouve, je te donne comme ça. Tu ne peux pas te danser. Je te donne comme ça, que chambre. Ah, Fumi, tu m'as cassé le pied. Oh. Je te montre un exemple. Ah, désolé, si ça a touché ton pied. Tu vas me casser le pied. Ne te fâche pas, non. Tu vas voir, moi, tu vas voir. Oya, vite. Tu vas voir, j'arrive. Je tiens ce village et moi, je tiens la ville. D'accord. Ok, d'accord. Ça va. D'accord. Si elle te demande, ma tante, dis-lui que je suis partie. Ok. Que j'aille me laver. Jeez, Tessie. Je n'arrive pas à croire que tu as fait un nouveau look juste parce que Melissa a dit que tes cheveux étaient sales. Chérie, je n'ai pas eu un autre choix. Tu as un choix, ma fille. Arrête juste de dire ça. Jeez, je déteste ces filles. Moi aussi. Les filles. Plus de commentaires parce que ces démons sont en chemin. Hello, Stacy. Oh, salut, chérie. Hey. Comment vas-tu? Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Oh, tu as de nouveaux cheveux maintenant? Oui, je l'ai fait. Tu es toute belle, chérie. Oh, merci. Alors, Brian. Salut. Je voudrais te présenter ma superbe, aimable cousine, Kenya Brown, le copain de Stacy. Salut, Kenya. Bonjour, Brian. Hé, Brian, nous ne sommes pas là pour regarder des cousines ennuyeuses qui jouent au piquant. Oh, s'il vous plaît, cela s'adresse à moi. Kenya, attends un peu, je veux dire ceci. Serene, tu es la manifestation de ce qu'on appelle attitude piquante. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, toi et Melissa avaient gagné ce trophée. Hé, tu vas la boucler? Tu es obligée de mentionner mon nom? S'il te plaît, coaches, je ne sais vraiment pas ce que cet animal ici t'a dit, mais crois-moi. Garde ça dans ton cœur. Tu sais que tu n'es pas aussi très sexy. Alors... Oh, pardon. Si Geneviève, Nandi et Jimmy Ike ont un bébé, Kenny chéri, ils seront toujours chauds. Ok? Dis-le-leur. Tessie, tu as l'asthme? Non, sérieusement. Tu as changé ta tête?
Tu t'es fait une nouvelle coiffure? Waouh, ça c'est bien. Stacy, tu as besoin de chercher ta coiffeuse. Dois-tu toujours être une fille sale tout le temps? Ryan. Mais ça c'est quoi comme ça? Non, je dois partir. Ah, pardon. Regarde-moi ça. Non, je m'en vais. Bébé, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Regarde ses cheveux. Je lui demande de résister. Mais d'accord. Qui va commencer? Ok. Serena Samson. Celle-là, elle n'a rien écrit. Elles sont très paresseuses. Regarde ce qu'il va faire. Mon poème est intitulé Destinée vieillissante. Vieillissant avec grâce, avançant délicatement vers la destination finale, vers une vie de poursuite des eaux. Mâche posée pour créer un côté froid, nous nous attachons mollement à ce que nous ne pouvons pas donner. Affligés de constater que nos moyens intérieurs du savoir s'éloignent au loin, nous essayons de les cacher derrière les secrets d'hier. Processus normal de la santé dans des intervalles différents afin que nous puissions nous approcher de notre destinée sans gâcher un moment de notre immortalité perdue. Wow! Applaudissez pour elle! Quel incroyable poème! Merci, madame. Mademoiselle Johnson, c'est très bien. Asseyez-vous. Merci. D'accord. Melissa Thompson. Moi? Dis-nous ce que tu as. Mon poète est intitulé « Sans toi ». Bon. Moi, sans toi, je ne suis qu'une partie. Tout comme une partie d'un couple. Un poète écrit en partie, comme un nuage isolé flottant au-dessus d'un désert aride. Un oiseau qui ne peut voler. Un voyageur qui parcourt des distances, mais qui ne sait où il va. Mais sans toi, je ne suis rien. Applaudissez pour elle! Melissa et Serena, les filles, vous m'avez vraiment surpris aujourd'hui. Je peux dire que je suis vraiment impressionnée. Ça, c'est très bien. D'accord. Mademoiselle Tessie, pouvons-nous écouter ton poème? Allez, vas-y, lis-le. Tu peux y arriver. Allez. Je suis désolée. Je suis désolée, ma. Je n'ai pas mon poème ici. Quoi? Ah. Tu n'as pas ton poème? Ça, ça va. Assois-toi. Ryan Thompson. Oui, madame. Ton poème. Je suis désolé, madame. Je l'ai oublié à la maison, donc j'étais pressé de venir au cours et je n'ai pas su que j'ai... Je pensais que c'était dans la voiture et je me suis rendu compte que je l'ai laissé. Brian, même toi? Brian, le mensonge a tendance à attirer plus de mensonges. S'il te plaît, allez.
Assis. Stacy, arrête avec ça. Laisse-moi tranquille. Peux-tu te calmer? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas su qu'elles ont volé le poème. Comment on l'aurait su? Calme-toi juste. Brian, juste laisse-moi tranquille. Stacy. Stacy, arrête, s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça? Écoute, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Brian, j'en ai jusqu'ici. Je n'arrive pas à croire que tu as écrit le même poème pour tes sœurs et moi. Tu es sérieuse? Comment peux-tu dire une telle chose? Comment? Écoute, mes sœurs sont rentrées dans ma chambre et ont volé le poème. Je n'ai pas su. Tu n'as même pas une idée de ce que j'ai ressenti face à cette humiliation. Tu plaisantes, j'espère. J'ai aussi été humiliée dans cette classe. Je n'ai même pas pu dire un mot au professeur. N'étais-tu pas présente? Brian. Je n'arrive plus à supporter. Écoute. J'en ai déjà jusqu'ici. Stacy, ces sorcières sont rentrées dans ma chambre et ont volé les poèmes. C'est terminé. D'accord? Stacy. S'il te plaît, allons-y. Mais écoute, ces sorcières sont rentrées dans ma chambre et elles ont volé les poèmes. Je suis désolé, on peut arranger ça. Tu dois pas me faire ça, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Bébé. C'est terminé. C'est où? Regarde, juste là. Regarde, tu vois. Je sais que c'est vraiment ça. Ah bon? Demoiselle. Okay. Ah. Est-ce que je vous ai dit que... la fille de ma sœur viendra ce week-end? Vraiment, maman, c'est super. Oui, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment honteux que de très belles filles comme vous aillent voler les poèmes de d'autres personnes. Surveille ta bouche, Brian. As-tu appelé tes sœurs voleuses? Maman, elles se sont intrudes dans ma chambre et ont volé mes poèmes. Alors dis-moi quel est le terme parfait pour cette action. N'est-ce pas du vol? Mel. Serena. Avez-vous volé les poèmes de votre frère? Brian. Pourquoi je me dérangerais à voler ton poème quand je peux juste consulter Google? Parce que tu étais si paresseuse pour ne pas interroger Google. Oui. Et j'ai de bonnes nouvelles pour vous deux. Ma petite amie Stacy a rompu avec moi. Oui, vous l'avez fait. Et je suis sûr que vous voulez célébrer cela avec une bouteille de champagne. Maman, nous ne savons pas de quoi il est en train de parler. Sa petite amie a rompu avec lui rien qu'à cause de vous deux. Le mieux que vous deux puissiez faire, c'est de lui demander les excuses. Fais les excuses à qui, maman? Maman, ça ne va jamais arriver. M'humilier jusqu'à ce point, vous demandez les excuses à quelqu'un. Maman, cette fille est une tête de... Je veux dire, elle ne convient pas à Brian. Patientez, laissez-moi tirer des conclusions. Elle n'est pas assez bien pour Brian parce qu'elle est la tête d'un chien. Ou alors, parce qu'elle est l'amie de votre ennemi. Lequel des deux? Maman, tout ce qui va avec. Voici la deuxième fois que votre frère perd une petite amie à cause de vous deux. Pourquoi aimez-vous toujours voir votre frère malheureux? Pourquoi? Maman, c'est parce que c'est notre frère. C'est notre frère, maman.
Pourquoi tu me barres le chemin? Qu'est-ce que c'est? Bébé, je voudrais parler avec toi. Parler avec moi à propos de quoi? Bébé, je suis fou de toi et je voudrais sortir avec toi. D'où viens-tu? Delta State, l'état des millions garçons. Oh, comme ça, tu es un free boy. Confirme, les millions gars. J'ai dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Bébé, calme-toi, bébé. Je veux juste ton cœur, ma chérie. Quoi? Tu es fou? Tu veux mon cœur? Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire. Et c'est pas même pour qui? Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Ne t'en fais pas. Je vais t'avoir. Hey! Ah, hein, sœur. Pas fâché, oh. Hein, pardon. Hein, je cherchais les adresses ici. Je ressemble à quelqu'un qui peut t'indiquer. Ah, et tu n'es quoi encore? Hein, ma sœur, c'est pas la bagarre. Arrête de poser des stupides questions. Et va-t'en. Ha, hey. Ceci est méchante, hein? La fille du diable. Je m'en vais demander à quelqu'un d'autre. Simple gardien. Mais que veux-tu que je ne puisse faire? Je veux boire Abou Mami. Abou Mami. Va au prochain compartiment. C'est pas ici. Ah ah. Donc, ça, c'est pas la maison du chef Thompson. Ce n'est plus Abou Mami que tu veux voir. Va au prochain compartiment. Là-bas, tu pourras la voir. Ah, ça, c'est aussi la maison de ma tante, non? Hein? Parce que ma tante a épousé Chief Thompson. Comment tu t'appelles? C'est Cecilia. 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 Cici. Attends-moi là. Moi, je n'ai pas dit à madame que toi, tu veux la voir. Toi, fais maintenant comme un bon garçon. Ne cherche pas à me provoquer. Attends que je me rassure d'abord. Cécile, je ne dois pas t'entendre dire ça. Il y a une fille qui attend dehors. Elle dit qu'elle cherche une Abugini Wano Mami. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Abugini Wano Mami? Mais pourquoi? Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Tu es si muet. Quel est son nom? Elle dit qu'elle s'appelle Cecilia. Et Cecilia? Ah! Oh. Ça, c'est ma nièce. Laisse-la rapidement entrer. Oui, madame. Ah, diamant. Ah. Cecilia. Cecilia. Hein? Ok. Madame dit que tu as. Oya, porte mon sac et suis-moi.
Madame Tino. Hi. Hi. Ah, cette maison est grosse. Allô? Cécilia. Exactement, tu es ma tantine. Ha! Donc, c'est vrai que Dieu crée les gens de deux. Ah, je pense que c'est ma tantine, ma maman qui est assise là. Comment va ta tante Koudi? Ah, très bien, pas de quoi. Sois la bienvenue chez nous. Je suis très très contente. Bien. J'espère que tu aimes cet endroit. Ah, je suis très très contente. On va te conduire dans ta chambre, ok? D'accord, merci beaucoup. D'accord, j'arrive. Attendez-moi. Ah. Hmm? Une mineure réjouissante ici. Hey, ça c'est le ciel sur le sol. Hein? Que cherches-tu en regardant en bas? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, moi je suis venue chez ma tantine. Et toi tu me demandes pourquoi je regarde la maison? Écoute, écoute très bien. Je suis le chef de la sécurité de cette maison. Ce n'est pas juste un quelconque étranger qui peut apparaître et regarder partout. Tout vérifier, espionner, regarder. Ah, ça ne se passe pas comme ça. Commence à marcher et va devant la maison. Patience. Ne te dérange pas. Moi, je vais partir. Mais très bientôt. Très bientôt. Ah, je vais te traiter. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je veux te prouver qui je suis. Ah, ce n'est pas ça le problème. Va. Je suis le chef chargé de la sécurité, l'OCS. Je t'avertis. Tu vas me connaître. Si c'est une malédiction, que ça te suive. Qu'est-ce que tu racontes? Pas de problème. Tu sauras qui je suis. Ce sont les qui sont dans cette voiture? Ce sont les filles de madame. Hein? Elle connaît conduire la voiture. Tu sais, ce que tu as vu là, hein? Ce sont leurs propres voitures. Leur frère a son propre véhicule. Hein? Tu es sérieux? Ah, très sérieux comme tu me vois là. Hein? Je viens. Ah! Hein?
Les enfants de ma tante, vous êtes les bienvenus. Bon retour à la maison. C'est quoi ça? Jepi. Merci madame. C'est la nièce de madame qui venait d'arriver. Kossi voilà, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un d'autre qui je suis. Je suis Cécilia Aburu Mami, votre sœur de l'étranger. Ah, je suis la seule et unique. Wo Ibadan, Lagboa, Lagbo, Baba Gbegi, Ibemegbe, Lagboa Nibadan. Ah! Hé, femme-là! Ce n'est pas toi qui es le truc que j'ai vu très tôt au supermarché. Toi qui me fais la vandadise. Simplement répondre une question d'adresse chez moi. Tu ne peux même pas répondre. Comment tu es arrivé là? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mascaro, pourquoi tu ne peux pas aller dedans demander à ma maman qui je suis? Seigneur, on dirait que je rêve. Est-ce que tu l'entends pas? Habillée? Oh non, 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 non. Ah, six. Ceci, ce sont les enfants des riches. Tu connais? Hey. Un fou. Va là-bas. Moi aussi, je peux marcher comme ça. Six. Papa, j'ai vu cette chose au supermarché aujourd'hui. Comment est-ce possible que nous soyons parentés? Fais attention à ce que tu dis, Mélissa. Mélissa, Brian. Maman. Voici ma nièce. Cécilia. Quoi? Maman. Voici nos enfants, Brian et Mélissa. Malheureusement, Serena n'est pas là, mais lorsqu'elle reviendra, tu la verras, d'accord? Merci, maman. C'est bon de vous rencontrer. Tout le plaisir, c'est pour moi. Oh mon Dieu, ça va être trop amusant. Je suis impatient de voir l'expression de ton visage et celle de ta sœur quand je la présenterai à mes amis à l'école. Je vais être du genre. Salut les amis, je vous présente ma cousine, ma sexy cousine, ma bien-aimée cousine, mon intelligente cousine, ma saccadélie cousine. Regardez, quand tu vas finir de m'introduire, je vais dire merci, allô, bienvenue tout le monde, au nom de Jésus, je suis content de vous rencontrer, bienvenue. Bienvenue chef, bienvenue ma tantine. Maria, bienvenue. Tous les plaisirs sont pour moi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide. Mélissa. Papa. Lorsque ta soeur Serena sera de retour, dis-lui de rejoindre dans ta chambre. Comme ça ta cousine pourra faire de sa chambre sa prochaine chambre. D'accord? Papa, tu voudrais que Serena parte de sa chambre pour cette chose de Guata? Pourquoi tu vois que moi, elle vient de la rigole, non? Hein? Moi, elle vient pas de la rigole. Moi, elle vient de la maison de Baba Gbegi, hein, à Ibadan. Je hais cette fille. Ça, c'est être insolent, Mélissa. Écoute, tu dois la respecter. Tu dois l'accepter parce qu'elle est ta cousine. Est-ce clair? Maman, est-ce qu'il n'y a pas une autre chambre dans cette grande maison? Pourquoi cette chose reste? Ou alors qu'elle reste dans la cuisine jusqu'à qu'elle rentre à Badon? Bien, Mélissa, je crois que toi et ta sœur Serena devraient vous habituer à elle parce qu'elle est partie pour rester avec nous pendant un très très long moment. Exactement. Quoi? Oui, et puis d'ailleurs, elle vient juste d'être admise dans ton école. Hein? Que quoi? Hein? Oui, oh, ma bien-aimée cousine, tu es la bienvenue dans notre maison. Merci, pas de quoi. Et tu es aussi la bienvenue dans notre école. Merci, pas de quoi. Si je puis te demander, c'est quoi ta discipline? Discipline? Qu'est-ce que tu aimerais étudier dans notre école? Oh, ok. Ah, c'est le français et le français de France. Hein? S'il vous plaît, dites-lui. J'arrive là, j'arrive. Ceci n'est pas en train de se passer. Je n'arrive pas à croire que ceci est en train de se passer. Je veux dire, nous sommes sexy, nous méritons des cousines. Sexy qui ont grandi dans la famille. Tout le monde raconte partout que la cousine de Kevin est super nain. Maintenant, l'histoire va changer. On dira plutôt que la cousine de Mélissa et Selena est super nain. Oh mon Dieu!
J'ai l'impression, j'ai comme envie de mourir. Ah, Seigneur, pourquoi mon Dieu? Nous méritons des cousines sexy. D'où cette stupide fille vient? Ce n'est pas drôle. Écoutez les filles, certaines personnes sont en fait nées reines alors que d'autres ne le sont pas. Mais moi, j'aime la cousine Cecilia telle qu'elle est. Et j'aimerais que vous deux aussi fassiez pareil. Va en enfer. Brian, va en enfer. Quel beau nom pour une vaurienne. Brian, je te déteste, tu es trop décevant. Bêtise. Que Dieu vous bénisse, sœur chaude. Dernière nouvelle. Papa a dit que je vous dise à toutes les deux que vous allez déposer cousine Cecilia au bloc d'admission demain. Quoi? Passez une soirée splendide. Qu'est-ce que vous voulez dire? Déposer? Non, pas du tout. Jamais. Cela ne peut pas arriver. Cela ne peut pas arriver. Je ne vais pas conduire la voiture. Je rêve d'une petite Dora. Je rêve de son enfant. Mais... Non, 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 non. La fille n'est pas normale. Dis-moi que je rêve. JM. JM. Ouvre la barrière. Ouvre la barrière. Cecilia, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as fait nous faire avoir une attaque. Hein? Attaque cardiaque? Ah, comment les jeunes filles, comme vous, pouvez avoir l'attaque cardiaque? Ça, c'est la maladie des vieilles personnes, non? Et seulement pour ceux qui ont les enfants mal élevés. Si tu penses qu'on va te laisser dans cette voiture, ça veut dire que tu es stupide comme je le pense. Sors de là. Là, tu as entendu? Elle dit, sors de cette voiture. Sors ta face misérable de cette voiture à l'instant. Ma belle est comme ça. Regardez, moi je n'irai nulle part. Moi, Brian m'a dit que moi je ne dois jamais quitter cette voiture. Brian est dedans, il se prépare et s'habille pour aller à l'école. Brian est trop déçu. Je te jure. Non, il n'est pas mort. Brian est dedans, il s'habille et il se prépare. Regarde, Cecilia, descends rapidement. Ma chérie, cette fille est une tête de mule. Cette fille est une... Cecilia, tu es une tête de mule. Démarre la voiture à l'entrée. Ferme-la. J'arrive à l'université. Sors, va te mettre la honte au corps. Écoute, ne dis à quiconque que ce soit que tu es notre cousine. Si tu le fais, je vais te tuer et je vais assumer les conséquences. Hey, hey, je ris les amis. Mélissa, tu es tout petit pour me tuer. Tu es tout petit pour me tuer. Très bientôt, tu sauras que je suis. Oh, laissez-moi vous dire, moi je ne pars nulle part. Hey, vous voulez que je me perde, hein? Hein? Je ne pars nulle part. Cecilia, dépêche-toi de sortir de cette voiture à l'instant. Tu nous as déjà retardé de 10 minutes. Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon business. Brian, mon cousin, a dit que je ne dois jamais quitter la voiture. Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Cecilia ne s'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Cecilia, qu'est-ce que tu veux exactement? Tous les deux. Allez m'accompagner dans le bâtiment d'admission. Quoi? Pas de problème. Allons-y. Avance-toi. C'est quoi avance-toi? Avance-toi veut dire quoi? Avance-toi et je viens derrière toi. Comme pas, maintenant. Oya, descends. Avance, non? J'arrive. Oya, je sors pas. Yeah! Hein? Même ces seigneurs m'ont trompé. Hein? Les enfants méchants. Mais méchants. Elle veut que je me perde, hein? D'accord. On va voir.
Je vous en prie. Oui, que pouvons-nous faire pour vous? Je vous en prie. Je suis venue pour m'inscrire là où on fait les compartiments. Dans la mission des compartiments. Désolé, je ne vous comprends pas. Que voulez-vous dire? Pourquoi vous ne comprenez pas, non? Moi, je cherche l'admission des compartiments. Oh mon Dieu, tu veux dire le tableau d'admission? Peut-être. Je suis calé ici. Je suis venu pour étudier ici. Tu veux dire qu'ils t'ont donné une admission à venir étudier? Non, pas pour étudier. Pour lire le livre d'université. Hey, qu'est-ce que tu viens étudier? Les livres, non. Pardon, montrez-moi la page de l'admission des compartiments. Écoute, mon gars, on s'en va. Ouais, tu comprends pas cette fille. On s'en va, nous. On s'en va. J'ai remarqué que tu as besoin de renseignements. Ce bloc est le bloc d'admission. À l'étage à ta droite se trouve le bureau des admissions. Donc, si tu as un problème à gérer, tu devrais monter et regarder à ta droite. Non, je m'en vais à l'admission de compartiment. Pas pour fouiller. Tu es très bon, toi. Regardez-moi ces étudiants. Ils me rendent confus. Quata, quata. Serena, je suis fatiguée, j'ai besoin d'une boisson. Moi aussi, Frangine. Tellement de choses ont dû arriver à cette cousine. Cette tête de chien de cousine. Je m'en fous de ce qui va lui arriver. Probablement, elle s'est perdue ou elle est morte quelque part. Frangine, on devrait être prudente avant qu'elle ne nous retrouve. Nous retrouver? Celle-là, elle s'est perdue. Elle ne peut pas nous retrouver. Tu sais que cette fille est intelligente. Intelligente? Mm-hmm. Excuse-moi, je n'avais pas de crédit. Elle s'est perdue. Viens, on s'en va. Allô, mes soeurs. Pardon, je cherche mes cousins. Mélissa, Selina aussi et Brian. De qui riez-vous? Qu'est-ce que vous riez? Regarde son cycliste, comme les caca, les maigres pieds. Oh mon Dieu, d'où vient cette villageoise? Demande-lui, il n'y a rien qu'on ne verra dans ce campus aujourd'hui. Ah. Aussi. D'où sont-elles? Moi aussi. Regarde-moi. Pardon, mes gueules, faisons nos devoirs, s'il te plaît. Partir. Les maigres pieds. Viens, on y va. Ouais, allez là-bas. Regarde ses chaussures. Allons-y de ce côté, s'il te plaît. Tu connais la maison de M. Thompson? Ah, c'est qui ça? Le mari de ma tantine. Allô? Oui. Excuse-moi, ça va? Ah, je me porte très bien, non? Viens de mari. Toi aussi, va-t'en. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Je t'ai posé une simple question et tu t'en vas. Toi aussi, va-t'en. Ta tête là ne tient même pas bien. Ce n'est même pas ta faute. C'est Mélissa et Selina qui ont fait que je me perde. Je suis perdue. Je suis perdue. Yeah. Bonjour, mes filles. Soyez les bienvenus. Merci, maman. Où est votre cousine? Maman, nous n'avons pas de cousine.
Que voulez-vous dire par là? Où est Cecilia? Cecilia, ça dit quoi? J'ai pensé que tu allais rentrer à la maison. Non, je crois que tu es partie avec mes soeurs. Oh, ces sorciers, sorciers. Melissa et Céline, elles m'ont laissé aller me perdre. Elles sont rentrées à la maison. Oh mon Dieu, ça va être trop amusant. Ok, d'accord, on te dépose. Brillant, mon cousin. C'est pour cela que tu es un bon garçon. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Brillant, mon cousin. Allez, allons, allons. Les sorciers, les sorcières, les méchantes, les méchants, bêtises. Céline Atou et Mélissa Atou, comment vous allez aujourd'hui? Où est-ce qu'il a trouvé pour rentrer à la maison? C'est sûrement Brian. Prochainement, elle n'aura pas cette chance. Stupide fille. Tantine. Oui, ma fille. Moi, je vais aller voir Aburito me l'embrasser. Yenoda. Hein? Ça, c'est bon. Tu vas. Tu vas aller. Et vous serez important pour vous et pour moi. Sotiba. Oui, ma. Yenoda, tu vois. Parce que j'ai souffert. Mon titi Agon. Ah, depuis que ton papa et ta maman sont morts, j'ai déjà souffert. T'aurais mon bailli. Je suis une femme veuve, Boshiri Bibayeo. Dans 10 minutes, ne te dérange pas. Ne t'inquiète pas. Oh, très bientôt, les choses iront bien de ton côté. N'est-ce pas? Emoni a assi et fiti ton arance. Fiti ton arance. Fiti ton arance. Pour ton bien. Kaya, mamie. Tu vois, si mes beaux frères appellent, tu vas voyager à la cité et rejoindre ta sœur Cécile. Oui, maman. D'abord. Oui, maman. Tu vois, non? Quand j'irai en ville, je serai comme une fille de la ville. N'est-ce je serai pas? Comme Sakara. Ah. Maman, c'est beau. Tu connais maman, c'est fille beau. Tu peux parler l'anglais. Oh, ouais, je serai belle. Je serai bien coiffée. Bon, on y va faire. On va faire d'autres. Oui. On y va. Oh, gars. Je comprends. On y a nous. Oui, maman. Oui, maman. Et je serai bien. Je serai bien.
chérie, non? Salut, non? Pourquoi tu changes le film que je regarde, non? Cecilia, mon nom n'est pas Sherina, ou peu importe comment tu m'appelles. Mon nom, c'est Serena. Et deuxièmement, tu es vraiment stupide de me poser une bête question. Hey, suis-moi. Hein, Serena? Serena, tu m'appelles stupide? Tu m'appelles stupide parce que je suis venue dans ta maison. Hein, pas de problème. Hein, pas de problème parce que... Tu vas la fermer? Hé, hey, Melissa aussi. Faut te calmer là-bas, hein. Ce n'est pas ton business. Je m'adresse pas à toi. Hein? Donc, alors, du calme. À ton tour, je vais t'appeler. Je m'appelle Melissa. N'importe quoi. Laissez-moi vous dire, vous deux là. Vous deux là, vous cherchez mon problème dans cette maison. Vous cherchez vraiment mon problème dans cette maison. Le jour où je vais vous donner mon problème dans cette maison, vous allez fuir comme les lézards. Mon Dieu, laissez devenir soute. Va-t'en. N'importe quoi. Va-t'en. Les maigres pieds. Ce n'est pas ta faute. Qu'est-ce qu'elle regardait? Ou elle était tenue là debout? Qu'est-ce que j'en sais? Maman? Oui, je... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je ne veux pas te déranger parce que tu es en train de lire. Non, c'est bon, je peux t'asseoir. Prends place. Ok. Tu veux me dire quelque chose? C'est quoi? Actuellement, rien. Je te cherchais juste. Oh, vraiment? Mm-hmm. Merci beaucoup. J'ai un quiz demain, alors j'essaie d'étudier, j'essaie de lire. Ok, je vais te laisser te concentrer. Non, maman, c'est bon, assieds-toi. J'avais en fait envie de discuter d'un truc avec toi avant que tu n'arrives. J'espère que ce n'est rien de sérieux. Ouais, maman, j'ai bien peur que ça l'est en fait. Qu'est-ce que c'est? Maman, j'aimerais que tu m'aides à parler à mes sœurs, vu la façon dont elles traitent la cousine Cecilia. Je crois que c'est notre parenté et elles devraient être traitées avec... plus de respect et plus de dignité. En vérité, mon fils, tu connais tes sœurs. Ton père et moi allons leur demander de respecter Cecilia. Ok? D'accord, maman. Merci pour cela. Fais-le, s'il te plaît. Merci. D'accord, je vais maman. Te laisser te concentrer. Okay. Ok, je vous rejoins bientôt. Laisse-moi juste finir avec Cecilia. D'accord. Je me maquille pas avec le crayon. Je me maquille avec le rouge à lèvres. Et Brian, mon cousin, m'a acheté ça à 50 000. Vous n'êtes pas les grandes filles et vous n'avez pas d'argent du tout. Écoute, Kenya, est-ce vrai qu'elle est dans ce département? Ma soeur, je ne sais pas comment elle a été admise dans cette école. Mais sérieusement. Quelque chose. Sérieusement. Chérie, tu dois rentrer à la maternelle, ok? N'importe quoi. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas belle, non? Alors que mes cousins, Selina, Melissa et Brian, ils sont beaux. Vous avez les maigres pieds. Stupide fille. Socking sock. Sérieusement? Est-ce que cette fille est normale? Est-elle folle? D'où sort ce genre de personne? Chérie... Je t'ai toujours dit que je ne mangeais pas la viande. Je suis végétarienne. Melissa, donc toi c'est végétable. Ah, toi c'est végétarien, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que tu ne réagis pas comme un être humain. Chérie, est-ce que je peux te rappeler plus tard parce que j'ai un petit problème là que je dois résoudre. Ok, à plus tard. Comment oses-tu? Tu es malade?
Tu me vois au téléphone et tu viens interrompre ma conversation. Quel est ton problème? Oh, mon problème, c'est toi et Célina aussi. Hein? Vous êtes trois méchantes. Hein? Trois méchantes. Allô? Allô? Oui, qui parle? Ah! Tanti Bukuni! Ah, bon sang, maman! Hein? Hein? Dieu merci! Nous allons bien, je vais bien! Ah, ma tantine, elle va bien! Elle va bien, oh! Hein? Ah, comment va la fille de Baba Chegou? Elle va bien! Ils vont entendre, oh! Salut-moi, salut-moi! La fille du père qui vend la cola! Oui, oh! Merci! Hein? Ils vont entendre, ils vont entendre! Hein? D'accord! Ils vont entendre! Merci. Au revoir. Oh. Au revoir. Je vais bien. On se verra plus tard. Au revoir. Au revoir. Qui était-ce? Tu te mets à genoux comme ça devant tout le monde? N'importe quoi. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Mon Dieu, je suis dans les étranger. Je te jure, cette fille est malade. Tu as écouté ça là? Une langue? Cette musique est question de lire. Cécilia, es-tu sourde? Ah, Mélissa, pourquoi tu éteins le skelou que je viens de mettre maintenant? Hein? Tu n'arrives même pas à parler le bon français pour sauver ta vie. Mélissa, prends ton temps, oh, parce que ici n'est pas la librairie. Si tu veux lire, tu vas dans la librairie pour lire, non? Est-ce que tu es venu ici pour danser? N'importe quoi. Bêtise. Ce que je vais vous faire dans cette maison, hein, c'est à quoi je vais vous transformer. Hein? Même vos parents ne pourront pas vous reconnaître. Quand ils vont vous voir, ils vont fuir en disant, ah, qu'est-ce que tu leur as fait avec vos pieds qui sont comme ça là, qui vous fait croire que vous êtes arrivé. Moi aussi, j'ai fréquenté, n'est-ce pas, nous sommes dans la même université. Si tu me tentes, toi spécialement qui as la face rouge comme la banane, c'est te gifle, tes yeux là vont se retrouver derrière ta tête. Bêtise, c'est qu'un soc. Si on... Dérobouti, dérobouti, dérodassi, brina, bossi, dassi, et je vais aller en ville. Dérofraise, une de sorte de robiquet. Fumila, qu'est-ce que tu fabriques avec les habits là? Tantini, j'arrange mon sac pour voyager. Tu voyages? Oui, Tantini. Ah. Mais beau, non, pas encore appelé. Tantini, j'arrange mon sac maintenant. Quand il va appeler, je prends seulement mon sac, je pars vite, vite. Yenoda, si tu arrives là-bas, Toba Dibé, aide-moi à les saluer. Bien. Mati, tu veux le faire. Waba Miki, salue le père. Salut Sean. Watwa, salut. Ben, salut. Bomi. Je vais saluer Gwanyu. Aboudé m'a dit qu'il les a vus. J'irai les voir. Waba, salut. Quoi encore? Nos voisins. Notre voisinage. Tengwen, nos voisins. Wakiwa. Wade a waki a mon frère sinon. Je vais les saluer. What do you want, Nigo? A mon kina a mon. A mon wawishis. Wawishis. Salut moi, wawishis. A ti a mon. Même nos ennemis. Nos ennemis. Je dois saluer même les ennemis. Salut nos ennemis. Salut les. Je vais. Non, pas tout le monde. Tazimi, on va saluer tout le monde. J'arrive là-bas, je salue. Même tes ennemis. Je n'ai pas dit salut tout le monde. J'ai dit de saluer ceux dont j'ai nommé. Amochi mon point bon Dieu. Salut ceux dont j'ai mentionné leur nom. Ok, Tantini. Point fini. Tantini, quand je serai en ville, saluer Sistansi, saluer Abou de Mami et saluer son fils qui s'appelle Goussianou. Savinatou, Aseminitatou, et aussi sa nièce. Et aussi, si je vois donc, je vais le saluer pour toi. Ah, Fumilaya, tu vas saluer le chien. Si je passe rien pour le saluer, qui ne veulent pas, je tape. Tantini, tu ne connais pas ce qui se passe quand tu es en ville. Tu es différent de ceux qui sont au village. Ah, et en ville, ça va vite, non? Merci, Fumilaya. Ah, Tantini. Tu vas saluer le chien, tu vas saluer la ville. La ville n'est pas comme ça. Je vais aller saluer tout le monde. N'oubliez pas, Tantini.
Hein? Je vais t'appeler au téléphone, ah, tu vas voir. Non, d'accord. Cécile, lève-toi et récite un poème pour nous. Ah, un poème? Oui, récite un poème. Paul, cette fille, c'est une vraie malade. Elle n'a absolument rien dans la tête. Elle n'a rien dans la tête. Ben oui, comme tu dis, elle n'a rien dans la tête. Nous voulons t'écouter. Elle n'a rien. Ah, je te mets à l'école. Je t'assure, vous faites de l'argent à cela. Que je récite un poème pour vous. Fermez vos yeux, fermez-les bien. Le puissant arrive. Prenez mais vos positions. Il n'a jamais dévoilé. C'est lui que je vais attraper. Je vais le trouver. Tu chantes comme un silence. Cécile, qu'est-ce que tu as? C'est bien, c'est madame. Oh mon Dieu, cher. Taisez-vous. Fais très attention dans ma classe. Assois-toi. Merci, pas de quoi. Vous voyez. Je t'assure. Bébé, d'où vient cette broussade? Quelle villageoise? Celle qui a fait son poème en araméen. Oh, celle-là. Comment je vais le savoir? C'est dame villageoise. Comment je saurais-je? Attends, est-ce que tu as vu l'assurance quand elle lisait son poème? Tu sais quoi? J'ai cru qu'elle faisait des enchantements ou des incantations, quelque chose de la sorte. Tu sais, parfois je m'étonne. Comment cette fille arrive à faire dans cette université? Comment elle a passé son chance? Ma chérie, dans ce pays, tout est possible. Très bientôt, les poulets et les fantômes vont commencer à avoir des admissions à l'université. Et aussi, ils vont discuter les cours avec les êtres humains comme nous. Ma chérie, je suis prête pour le challenge. Je vais commencer à faire mon poème à Nibo. J'ai pensé à ça. Après tout, cette fille n'était pas complètement erronée. Nous étudions également linguistique. Tu as bien parlé. Tu ne vas pas me tuer. Pourquoi tu ne fais pas ta part dans la langue africaine? Je suis folle. Est-ce que je ressemble à cette broussade? Pardon, allons-y, le temps est en ok, rien mon sac. Surprise. Je te dis... Oh mon Dieu, Cécilia, tu es très drôle. Ah, mais ma tantine, c'est comme ça qu'on nous a appris quand on était tout petit. Brian, il y a une stupide fille dans notre classe. Kenge ou bien Ghana. Tu veux dire Kenya? N'importe quoi.
La fille dit que comment j'ai composé le baccalauréat. C'est quoi le baccalauréat? Ouais. Ouais. Bien, Cécilia, je n'en veux pas, ces filles. Si je n'étais pas ta tante, je devais aussi parler. N'importe quoi. Et ça me revient même. Tu es supposé lire les poèmes en anglais et non en langue yoruba. Tu t'en souviens? Brillant, mon cousin. Laisse-moi te dire. Poème, c'est poème. Que tu chantes ou que tu recites en yoruba ou en français, oui. Tu es sérieuse avec ça? Cécilia, Brian a raison. Tu travailles en fonction des instructions données par le professeur chargé de cours en classe. Merci, d'accord, pas de quoi. Je vais apprendre ça un autre jour. Peu importe. Pas de quoi. Mon Dieu, ça tu me fatigues alors, mon Dieu, arrête un peu ça. Oui, ma soeur, tu sais... Ah, Mélissa et Céline, attendez, attendez-moi, j'arrive. Ma soeur, cette fille ne réfléchit pas. Je veux dire, cette fille est têtue. Elle devient sourde chaque jour. Peux-tu l'imaginer? Elle arrive. Comme? Allons-y, elle n'est pas encore là. Maman. Bénis le repas, prêt. D'accord. Fermez vos yeux. Au nom de Jésus, au nom du sang puissant de Jésus, toi le seul vrai Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as donné à manger hier, avant-hier et aujourd'hui. Béni, chef, le mari de ma tantine, la soeur de ma maman. Est-ce que tu vois les sorciers et les sorcières qui me font souffrir dans cette maison? Célina et Mélissa aussi. Dieu, punis-les au nom de Jésus. Mon cousin brillant. Oh, bénis-le, Seigneur. Bénis-le. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, vous ne dites pas Amen, non? Hein? Moi, j'ai fini de prier. Oh, amen. 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 C'est mieux. Cécilia, maman, pourquoi ne manges-tu pas? Maman, je ne veux plus manger le witwi la mala. Je veux manger le riz sauté et de Mélissa et de Célina aussi. Mais j'ai cru que tu ne mangeais pas autre chose en dehors de ton couscous à la sauce gluante. Oui, j'ai changé mon cœur. Oh, s'il vous plaît. Peu importe ce que voudrait manger Cécilia dans cette maison, qu'elle mange, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons manger calmement dans cette maison avant que cette laide sorcière nous interrompe? Ça, c'est être méchant, Mélissa. Bien. Mélissa, tu vas présenter tes excuses à Cécilia tout de suite. Papa, même si c'est au dépend de ma vie, je lui demanderai pas d'excuses. Quoi? Ouais, chef, laisse-la. Laisse-la. Oh. Je n'ai même pas besoin des excuses de ce Mélissa. Je vais te montrer que dans cette maison, je vais devenir une grande fille. Laisse, ne te dérange pas. Toi et moi. Ça va, ça va, Brian. Et voici la sauce. Tiens.
Allez, tiens, le voilà. Merci. Merci, Jari. Tu n'en veux plus? Ça me va comme ça. Ok. Allez, tu tiens comme ceci. Tu vois? Tu la tiens comme ceci. Allez, non, comme ça. Voilà, tiens l'autre. Oh, laisse-moi comme ça, Daré. Moi, je veux manger comme ça. Je ne veux plus manger. Melissa et Serena ressortent encore. Attends, ça sert à là. Écoute, il va falloir que tu t'arranges, tu vas un peu. Il faut que tu manges, il faut que tu touches. C'est une franchise dans cette maison. Allez. Ça va, tu es ok là? Merci beaucoup, Boya. J'ai mal, je suis fatiguée. Où est-ce que cette maison se trouve? Je ne la vois pas. Elle est où? Hein? Je marche depuis longtemps, je ne vois personne. Je ne reconnais aucune maison. Je sais même que ça se trouve où? De marcher depuis là, je ne vois personne. J'étais juste comme toi. Ça m'a aussi surpris. Ok. Alors tu n'as pas de problème. Si tu Brian. As que... Brian. Brian. N'as-tu pas quelque chose de mieux à faire avec ton temps? Que de traîner avec cette chose. Mon ami, je te présente mes sœurs, Merissat et Sherinat. Merissat et Serenat? C'est quel genre de nom? Tu vas la fermer? Ami mon œil. Hé, hey, arrête-moi ça. C'est pas Merissat et Serenat. C'est Melissa et Serena. Idiote. Regarde ça. Elle est sale et tu la gères. Perdant. Bêtise. Merissat et Sherinat, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je peux m'occuper de moi. Oh, c'est bon. T'occupe pas d'elle. Comme je te disais, tu vois, les relations internationales sont une bonne chose parce qu'elles te donnent la possibilité de devenir un ambassadeur dans le futur. D'accord. Tu vois, donc si tu fais le bon choix, et cela peut t'amener à être parmi les vrais décideurs, tu vois. Crois-moi sur parole, c'est de quoi je te parle. Arrête-toi, arrête-toi. Où est-ce que tu vas? Je vais dans la maison d'Abou et mamie. Où est-ce que ça se trouve?
16e ou 17e maison. Tu n'as pas une adresse ou un papier où tu as écrit le lieu où tu vas? L'adresse, oui, j'ai l'adresse. Je l'ai. Regardez ça. Donc c'est ça que tu appelles la maison d'Aboro Mami? Entre, je te conduis. Que j'entre? Je suis comme ça. Donc tu veux que j'entre dans ton quelqu'un? Après tu veux me parler de bêtises, n'est-ce pas? Non, entre, ça va, non. Combien je dois te donner? Ok, c'est 500 naira. 5 quoi? 5 quoi? 500 naira. Voleur, tu es sorcier. Regarde tes yeux. Tes yeux ressemblent à un sorcier. Je te paie 500 pour un vulgaire quelqu'un. Quelqu'un là, cela sort ça. Un vulgaire quelqu'un comme ça. Ne t'inquiète pas, je vais monter les dents. Donne-moi mon adresse. Voleur. 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 Brillant, mon cousin. Cécilia, ma cousine. Oh. Quelque chose me dérange dans mon cœur depuis. Je voudrais discuter avec toi. Et qu'est-ce que cela peut être? Vois. Mélissa et Célina, je ne sais pas pourquoi elle ne m'aime pas dans cette maison. Hein? Elle me hait trop dans cette maison. Pourquoi? Hein? Tu sais que mes soeurs sont des grandes filles, n'est-ce pas? Et à l'heure où nous parlons, elles sont les filles les plus chaudes du campus maintenant. Alors, si tu veux qu'elle t'aime, voici ce que tu dois faire. Tu commences à parler comme elle, t'habiller comme elle, manger comme elle. En général, tu dois te comporter comme elle. Et souviens-toi qu'elle ne mange pas la sauce Ewedo. Je connais. Voilà pourquoi je suis venue chez toi, pour que tu aides à devenir une grande fille. Je voudrais être une grande fille. Tu veux être une grande fille? Oui, je voudrais être une grande fille. Je vais t'aider à devenir une grande fille. Allez. Merci, tu vois. Voilà pourquoi je t'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment. Pas comme Mélissa et Célina, elles sont sorcières et sorcerettes. Pardon, que viens-tu de dire? Je dis qu'elles sont sorcières et sorcerettes. Redis-le un peu. Sorcières et sorcerettes. Redis-le un peu. Ah, sorcières et sorcerettes. Je parle bien, non? Ah. Ah. Aïe. Oui, ma soeur, où es-tu? Je ne connais même pas là où je suis maintenant. C'est comme si j'ai oublié. Ah, en tout cas, je vais marcher avec mes pieds jusqu'à un niveau. Donc je veux stopper le caca maintenant. Regarde, il vient ici. Ah, celui-ci encore. Tu es encore ici, madame. Corrige-toi, mon fils. Mon nom n'est pas madame. Mon nom c'est Yongledis. Tu as compris? Yongledis. Désolé, jeune dame. Tu allais plus loin que où tu partais. Hein? L'endroit où tu partais est plus proche du parc. Ah, c'est loin alors que j'ai marché jusqu'à arriver ici. Je te dis non. Tu es parti si loin que tu as utilisé tes pieds en plus de l'argent que tu avais avant. Ah, mais oui. Alors, combien veux-tu maintenant? Avant c'était 500 naira. Maintenant c'est 1000 naira. Hein? Pourquoi? 1000 naira. Tu es un voleur. Je te dis que tes yeux là ressemble à un voleur. Alors que je t'ai dit depuis que 500 naira était beaucoup. Maintenant tu me dis que 1000 naira, tu es un voleur. Ne serait-ce que toi qui utilisais tes pieds pour marcher jusqu'ici, non? On part ou on ne part pas? Ah, ce gars. Je m'en vais où? Fais attention à Dieu. S'il te plaît, ancre. Il faut avoir peur de Dieu. 1000 naira pour un vulgaire quelqu'un. Il faut avoir peur de Dieu. Ancre d'abord. C'est comme ça où vous êtes. 1000 naira. Thank you.
Hé, va. J'ai copié tout ce que Serena utilise pour mettre sur sa face, qui fait sa face briller, briller. Regarde. Vraiment? Mm-hmm. Ok, laisse-moi faire ça, là. Oh, Cecilia. Tu as copié les bons et les mauvais au même moment. Ah, ce que veut dire? Ça veut dire que la plupart des choses que tu as copiées, ils n'ont rien à voir avec ce oindre. Ils ne servent qu'à se brosser. Brosser tes dents. Elle n'a pas de dentifrice, non? Bien sûr que je suis sûr. Ok, écoute maintenant. Là, c'est du dentifrice. Et là, c'est la brosse à dents mm-hmm. qui servent à se brosser les dents. Ensuite, c'est quoi ça? Ça, c'est, là, c'est un vaporisateur. Parfum, ça, c'est du parfum. Un vaporisateur. Ça, sont les parfums pour le corps. Je m'en vais copier plus. Non, tu n'as pas besoin d'en copier plus. Écoute, on utilisera ceux qui sont importants. On mettra de côté ceux qui n'est pas important. D'accord. Ah, bien, mon cousin. Mm-hmm. Voilà pourquoi je t'aime beaucoup dans cette maison. Mon Dieu m'a aidé à te bénir. Chaque jour. Tu vois le film? Non, j'essaie d'étudier. J'essaie de lire un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je me maquille. N'est-ce pas été dit que je voulais être une grande fille? Laisse-moi me maquiller. Comme ça, quand je vais arriver à Mélissa et Céline seront. Mais tu peux pas faire ça dans la rue, non? Ce n'est pas un problème. Même pas un vrai problème. Ce n'est pas un problème. Laisse-moi me maquiller. Vive. Es-tu sérieuse? Y'a quoi non? Non, c'est bon, je vais juste te regarder. J'ai fini. On peut partir maintenant. Est là. Je demande qui est là. C'est toi qui connais le portail. Je suis déjà arrivé. Abou, mami est là. En commençant, je ne suis pas Yoruba. À qui tu vas parler le bati-bati? Tu dois parler pour que je comprenne. Ne t'énerve pas. C'est Abou de mami que je veux voir. Encore une autre. Abou de mami, c'est qui? Wafo aussi. Quel chef? C'est aussi. Viens, il est là. Ok, prends ton sac et va à l'intérieur. Ils sont tous là. Comment ça? C'est ce que tu fais. Donc, tu veux que j'aille me perdre dans cette grande maison? Waouh! Il y a Adja. Qui est Adja? Le chien. Wouhou, il y a. C'est moi, le chef de sécurité de cet endroit. Il n'y a pas de chien. Alors, prends ton sac et va à l'intérieur. Non. Va appeler ma soeur pour moi. Laquelle? Cécilia. Cécilia n'est pas là. Elle est partie à l'école. Alors, qui est à l'intérieur de la maison? C'est quelle interview que tu me fais subir comme ça? Et comme tu me demandes, je te demande aussi. Porte ton sac et va à l'intérieur. Quand tu y seras, tu les verras tous. C'est une blague. Tu penses que j'ignore que si j'entre dans la maison là maintenant, tu vas me kidnapper ici. Comment je saurais que ça c'est la maison de Bouddha Mami? Jim! Oui, petite madame.
JM, qui est-elle? Elle dit qu'elle est la soeur de Cecilia. Oui, la soeur de Cecilia. Quoi? Qu'elle reste là-bas pour taille. Qu'elle retourne dehors. Oui, petite madame. Ah ah, les filles de la ville, si. Dans ce cas que je suis Moussa. Tu blagues, je ne suis pas Moussa. Dans tout ce que tu dois accepter. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, on est. Tu te moques de toi-même. Ah, viens. Tu n'as pas suivi ce qu'elle a dit. Que tu dois rester ici. Ah ah. Tu n'as pas suivi. Tu es mal dans ta tête. Tu es normal ou pas? Ne me cherche pas. Ah ah. Tu restes ici. Tu n'as pas suivi ce qu'elle a dit. Si tu me touches encore, je vais te donner. Je vais te casser l'œil. Tu ne m'as pas compris. Ah ah. Tu ne comprends pas. Hein? Tu blagues avec moi. Je vais te donner quelque chose. Oh. Ne me touche plus. Si tu ne veux pas me comprendre, je vais te battre. Reste ici ou bien. Viens. Yeah. Ne me touche plus. Serena. Il y a une autre Cecilia Dior. Une autre quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas. Je suis sûre qu'elle est venue finir ce que Cecilia a commencé. Crois-moi. J'ai dit au gardien de la mettre dehors. C'est mieux. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, non? Melissa, qui as-tu demandé au gardien de retenir au portail? Une certaine fille qui est venue chercher Cecilia. Elle est partie. Je suis sûre qu'elle est déjà partie, maman. Es-tu sûre que ce n'est pas ma nièce qui doit tenir des pâtes aujourd'hui? Ta nièce, maman, ce genre de personne ne peut pas être attendue dans cette maison. Tu n'es pas du tout sérieuse. De ne pas m'énerver. Oh, c'est cet endroit, c'est là où mamie habite. Et tu m'as fait attendre cela. Tu blagues, je vais m'énerver contre toi. Ne te fâche pas contre moi. Je fais seulement mon travail. Ok. Tu connais toi-même. Ne me dis pas ce que je dois faire ici. Ça, c'est mon travail. Julien! Madame! Mais je dis, avec qui es-tu là-bas? Je suis là. À bout de mamie. Et m'y fume là, mamie. Et quand je suis arrivé là, il m'a bloqué ici pour ne pas entrer. Ha ha! Fumi! Oh mon Dieu, Julien! Madame! Mais pourquoi la retiens-tu là-bas? C'est Melissa qui m'a demandé de ne pas la laisser entrer. Et tu lui as obéi? Je suis désolé, maman. Désolé toi-même. Désolé toi-même, tu vois. À bout de mamie, il faut chasser ce gars. Ça va, ne t'en fais pas, je vais m'occuper de lui. Apporte son sac. Ne touche pas mon sac. Ne pose pas tes mains sur ça. Ne pose pas. Pose encore. Ça va, ça va. Tu m'y suis malade. Cette maison est la maison de ma tante. Tu crois que quelqu'un peut me chasser ici? Malade. Fumi, comment tu vas? Vraiment confortable, ok? Viens, mets-toi à l'aise. Viens. Melissa, pourquoi as-tu ordonné au gardien de retenir ma nièce au portail? Maman. Nous ne voulons plus d'une autre casse-tête dans cette maison. Pourquoi êtes-vous comme ça? Pourquoi repoussez-vous mes parentés qui sont aussi vos parentés? Maman. Ces villageoises ne peuvent pas faire partie de nos relations. Vas-tu la fermer? Fumi. Hein?
Qu'à cela ne tienne, voici mes enfants. Voici Mélissa et celle-là, c'est Serena. Et ya, Mélissa et Serena, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Une autre horreur dans cette maison. Maman, pourquoi? Vas-tu la fermer? Laisse-moi t'accompagner dans ta chambre. Viens, viens. Mais, qu'est-ce que c'est que ça, non? Mélissa, Serena, ah vraiment, je vais être une grande fille. Coûte que coûte, je vais être une grande fille. Oh. Hein? Je vais me tenir avec vous autres. Hein? Regarde toutes ces stupides filles du campus qui m'insultent tout le temps. Elles m'insultent tout le temps. Je vais être une grande fille. Attends, Cécilia, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit je vais être une grande fille. Tu vas devenir une grande femme. Je vais être une grande fille. Miss Wanabi. Avec tes stupidités et tes incantations, tu peux partir d'ici. Serena, Serena, point de correction. Hein? Je n'ai pas le pouvoir d'une jour. Ferme ta bouche. Cécilia, as-tu le syndrome de Énerve Mélissa dans ton sang? Parce que tout ce qui sort de ta bouche m'irrite. Mon Dieu, tu ressembles à une folle. Je parle pour moi maintenant, vous allez m'apprendre comment être grande fille. Maman, demande à ton attardé de nièce. Ferme ta bouche. Cécilia, c'est quoi le problème? Maman, je demande à Mélissa et Serena de m'enseigner comment être grand fille. Elle m'insulte, elle se moque de moi tout le temps. Honnêtement, je n'ai pas saisi un mot de ce que tu viens de dire. Cécilia, s'il te plaît, calme-toi et parle-moi. Je veux savoir quel est le problème. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je suis revenue. J'ai trouvé Mélissa et Serena. Je les ai demandé de m'enseigner comment être une grande fille. Elles se moquent de moi. Bassa, Cécilia! Quand es-tu arrivée? Je viens d'arriver. Dis-moi, je viens d'arriver. Ah. Et t'es Ibadan. Baba, tu es bon? Beaucoup de choses. Depuis que tu es arrivée, tu es devenue belle. Tu as la grève. Tu es belle. Tu as le rouge à lèvres. Regarde comment tu brilles. Tu as le rouge. Ça te plaît? Oui, tu es bien. Alors, tu viens de l'université. Ce n'est pas comme ça, Morika. Oui, je viens de Morika. J'étais bien. Je te prie. Comment ça va? Dis-moi, regarde tes chaussures. Regarde. Tu aimes ça? Je suis belle. Fumi, calme-toi un peu, ok? J'aimerais te présenter à mon fils Brian. Brian, elle, c'est ma nièce. Oh, c'est dont tu m'as parlé. Comment vas-tu? Oui. Oh, je suis très content. Comment tu vas? D'où est-ce que tu viens? Je sors d'Ibadan. Ibadan, oui. Comment se porte la famille? Oui, bien. Vraiment? Bien. Vraiment? Bien. Ok, ok, très, très ok. J'aimerais que tu te sentes vraiment à l'aise. Merci beaucoup. Okay. C'est aussi ta maison. Eh? Tu peux manger ce que tu veux. Eh? Tu peux boire ce que tu veux. Uh-huh. Tu peux faire tout ce que tu veux. Eh? Et le plus important encore, tu peux parler n'importe quel langue que tu parles bien, tu parles bien. Vraiment, tu parles As-tu salué tes cousines? Oui, bien sûr, je les ai vues. Serena 2, Mélissa 2. Mélissa et Serena Tony. Ah, je les ai vus. Ce sont elles que tu vois là. Merci. Merci les gars. Hey, merci. Hey, bien, non, je prends quelque chose. Je prends quelque chose. Je vous souhaite saluer tout le monde et dire merci parce que je suis arrivé ici. Tout le monde m'a pris. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sois les bienvenus. Merci. 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 Laisse-moi te montrer. Allons. Mon Dieu. Fumi, tu vois ce beau petit garçon, c'est un bon garçon. Mais tu vois toutes ces filles, ce sont des maux de tête. Chaque fois, elle me traite comme un sac de merde dans cette maison. Et selon tu as dû me dire, ceci a tué ceci, ceci a tué cela, ceci a tué une broussade, ceci a tué une rejetée. Tu ne dis pas la vérité. Vrai de Dieu. Ok, et qu'est-ce que papa et maman disent à propos? Ils seront toujours en train de crier sur eux. Taisez-vous. Ceux-là, ce sont des problèmes. Problèmes pour qui? Écoute-moi bien. Comme je suis arrivé là, je suis venu pour eux. Tu vois, je vais les taper bastonnage sur bastonnage, l'eau sur l'eau, calomnie sur calomnie, bastonnage sur palme. Si ça ne va pas continuer, je continue. Tu sais, on m'a donné ça comme ça. Bien, bien. Ah, ah. Qui me font peur? Ils ne me font pas peur. Mais papi. Ah.
Il n'a encore rien vu. Je vais montrer le piment dans cette maison. Ah. Ce n'est pas Serena qui est dedans là. Ok. Je ne sais pas. Mm-hmm. Animal. Arrogante. D'où venez-vous? Hey, corrige-toi. On ne t'a pas appris que lorsque tu vois des gens, tu les salues. Et à qui tu parles? Fumilanko, tu me comprends. Je m'agresse à toi. Ah, ah, tu t'agresses à qui? Tu vas la fermer? Non, 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 sérieux. Tu veux parler avec nous? Pourquoi tu parles avec nous? Tu es qui pour me commander? Qui es-tu pour me parler, me commander comme ça? Hé, hey, ma soeur, ces filles ne me connaissent pas. Oh. Écoutez, je m'ennuie. Oh. Je m'ennuie vraiment. Et je n'ai pas votre temps. Je vais vous montrer ma sauvagerie dans cette maison. Bon Dieu, quelle stupidité. Je vais te faire disparaître où tu es. Je vais te souffler. Tu parles encore. Hé, hey, hey. C'est quoi, non? Oh. C'est quoi ça? Pourquoi, ta fille, non? Pourquoi pas attendre de lutter avec elle? Oh. Elle est ma seule soeur, petite soeur, dans ce cas. Attendez, je vais vous montrer. On va voir ça. Bon, vous allez vous sortir quand vous me... sera de retour. Ma soeur, ne te dérange pas, ne t'inquiète pas. Tu as vu comment ça? Ah, allons-y à l'intérieur. Allons-y. J'allais le taper maintenant. Hein. Il allait savoir que je suis de la maison de Baba Gbemi. Vous croyez que vous pouvez faire ça aux gens? Hé, hey, fille, salut. Brian, hein? Est-ce que nous pouvons te voir un instant? Ok. Brian, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Brian, hein? Ne vois-tu pas ce que maman et papa sont en train de faire? Ils essaient d'arracher notre joie. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? On fait référence à cette Cecilia et sa sœur. Bon, vous les filles, vous devez un peu ralentir. Hein? Et vous devez aussi vous réveiller, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas accepter vos cousines juste comme je l'ai fait. Hein? Et je suis sûr que vous savez qu'elles resteront ici pendant longtemps. Quand Dieu ne plaise, je vais tuer ces deux filles de mes deux mains. Tu vas le faire toute seule? Non, chérie, on le fera ensemble. Vous avez d'autres questions parce que je m'en vais jouer au tennis. Prenez soin de vous. On se voit plus tard, alors. Comment tu peux être de leur côté? Everything nice, everything so cool, so cool, but see, you're my boo, you know that's true, you wanna see, me I fight for you, even when I come for, but see, look so fine, with your pussy dimple, we are down, cause if you love you want for me, you know you got it, oh no, she not body you want for me, girl, you know you hold it, yeah. Baby, you don't really know what you mean to me. Oh, yeah. Oh, yeah, show me the way to go. Think I follow mommy. Oh, yeah, no. Mm. Ah, baby. Oh. Cecilia, qu'est-ce que c'est? Ah, je dansais. Tu dansais? La musique s'est arrêtée depuis 5 minutes et tu es toujours placée là à danser? Je pense que je dois aller vérifier ton cerveau. Oui. Mets-toi dehors, je suis en train de sortir. Ah! Allez, dehors. Ah, ah. Petite folle. Mesurer et il a dit ah, pourquoi maintenant tu portes des choses mini? Et la fille a répondu ah, tu sais que moi je ne suis pas ah, Salut les filles. Ah, allô beau garçon, qui est-ce que tu cherches? Laquelle de vous est Cecilia? Voilà alors, comment ça?
Ok, ça doit être toi. Oh, ce n'est pas moi, c'est elle, Sylvie. Oh, vraiment? Cécilia, j'ai tellement entendu parler de toi. Hey, yeah, tu me connais. Hey, yeah, ça c'est bon. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Hein? C'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Plaisir de vous rencontrer. Ça c'est ma soeur Fumi. Oui, oui. Oh, Fumi, ça me fait plaisir de te rencontrer. Ne t'inquiète pas. Est-ce que mon bébé est là? En fait, je suis venu pour la voir. Mélissa. Oh, oh, vous avez la santé. Elle vient de sortir avec son petit. Non, ami. Elle est sortie. Elle est partie voir le film. Mélissa est sortie avec son petit ami? Oui, non. Mélissa me trompe? Mélissa n'est pas avec toi. Elle part jusqu'à Jungle Abuta pour voir quelqu'un. Quoi? Ah ah, tu ne connais pas ça. Ah ah, Mélissa et Céline, ils ont beaucoup, beaucoup des amis. Yo, laisse-moi te dire quelque chose, s'il te plaît. Et chercher les enfants, et chercher les jeunes, et chercher les hommes mariés, et chercher les pères. Tu ne sais pas. Ok. Merci. Ah, merci. Viens manger un jus, non? Viens, non? Viens, non? Viens prendre un peu de jus, non? Et va chercher la fessée partout. Quand tu as fini de parler comme ça, le gars est resté comme ça. Allez, ah, santé. Ça choque le gars très bien. C'est bon. Avec Max. Je ne sais pas, je pense que je vais courir après lui, quelque chose ne va pas. Viens, viens. Ah, c'est maintenant que tu arrives. Mm-hmm. Tu sors d'où? J'étais à l'intérieur. Hein? Oh, le repas est prêt ou? Merci. Point corrigé. C'est pourquoi? Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Après que tu sois entré à la maison et que ta nourriture est finie, quand tu auras une femme de mariage, tu diras à ta femme, merci pour la nourriture. Tes parents seront contents, papa et maman. Mais je te remercie d'avoir fait à manger. Tu me dis merci pour la nourriture, tu n'as pas mangé. En tout cas, merci, ne t'inquiète pas. Cousine Cécilia, comment vas-tu? Présente à la cour.
Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, Frangine, calme-toi, ok? Je crois que nous devons aller chez lui, mais appelons-le avant. Qu'en penses-tu? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Mon Dieu, il ne décroche pas mon appel. Ne décroche pas tes appels? Mon Dieu, son numéro ne... Il ne décroche pas? Non. Serena, je pense que je ne peux pas conduire. Je ne peux pas conduire. Mais prends-le calmement. Qu'est-ce que c'est? Non, viens juste conduire, ok? Bien sûr, sinon. Mais ce n'est pas vrai, vous n'aurez pas dû le lui dire. Brillant, mon cousin. Pourquoi ne pas dire ça à Max? Hein? Donne-moi les raisons, non? Parce que elle nous maltraite dans cette maison. Nous allons lui répondre feu par feu. Tu me fais, je te fais. C'est ça ou rien? Je me demande juste à quoi est-ce qu'elle pourrait penser maintenant. N'importe quoi. En tout cas. C'est dur que voici ici. Cécilia et Fumi. Oh, tu es là. Va dégager ton couscous dedans. Va à l'intérieur, mange bien à ta satiété. Quand tu seras rassasié, tu te reposes. Seulement, laisse-les à nous. Nous saurons comment les traiter. Pas de problème. D'accord. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour nous. Wow, wow, vois, hein? Quand ils vont revenir, on va jouer le poster. Mm-hmm. Tout bombe. Oui, on va lui faire ça. Vraiment, ils ne nous connaissent pas. Chérie, ne me dis pas que tu vas croire tout ce que ces feignants t'ont dit à mon sujet. Écoute, Cécile est peut-être bête, mais elle n'est pas aveugle et elle n'est pas un bébé. Elle est stupide. Elle veut juste se venger de moi parce que je la traite mal. C'est pour ça qu'elle a inventé toute cette histoire. Écoute, écoute, écoute. Si tu penses sérieusement que toutes ces histoires que tu es en train de raconter vont me faire changer d'avis, alors là, tu dois être la plus grande comédienne de l'année. Vraiment? Oui, vraiment. Si tu veux bien m'excuser, j'ai mieux à faire. Quelque chose de mieux? Oui. Tu sais quoi? Considère-toi bloqué sur Facebook. Sérieusement? Tu t'as Instagram et n'essaie pas de me suivre. J'ai déjà fait ça. Tu l'as écouté. Il a osé faire ça. Je vais tuer cette fille. Putain, je la déteste. Franchement, Safa, pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état, s'il te plaît? Safa, lui. Je sais pourquoi il a fait tout ça. Il va revenir. Il faut que tu le prennes. Cécilia, comment as-tu osé? Comment tu prouves ce camion que tu appelles bouche pour dire à mon petit ami que je sors avec quelqu'un d'autre? Mais Mélissa, je dis la vérité, non? Je suis venue te chercher et moi je lui ai dit que tu es parti voir le film avec tes petits amis, non? Animal, qu'est-ce qui est amusant? Je ressemble à un clown? Je ris parce que cela m'amuse vraiment. Ce n'est pas amusant. Cécilia, tu es la plus grande imbécile du siècle. Wow, wow, wow. Mérissa et Serifat, vous ne devez pas vous mettre en colère. Vous savez, le mensonge a sa façon de faire plus de mensonges. Je suis si fier de vous. Moi aussi. Mérissa est déjà fâchée. Elle est dedans. Nous allons te faire ça dire dans cette maison jusqu'à... Tu vas voir ce que tu es venu chercher. Je savais ça bien choqué. Joue du dame. Je n'arrive plus à supporter cette fille. Tu sais, je n'arrive plus à la supporter. Je n'arrive plus à supporter ces filles. Je veux qu'elles meurent. Mélissa, j'ai hâte de le faire aussi. Mais c'est que ces filles sont tellement énervantes. Je vais voir maman. Je dois lui dire que cette fille doit partir de cette maison. Mélissa, maman n'est pas à la maison. Et tu sais que même si elle était là, elle ne t'écouterait pas. Je m'en fiche. Elle va partir de cette maison. Maman n'est pas à la maison. Mel. Mélissa. Thank you.
Non, ces gens ne savent pas chercher des problèmes. Ça ne va pas seulement des fois d'arriver. Tu es malade? Oh, donc c'est nous qui cherchons les problèmes. Ah. Qui t'a mis juge dans ce problème? Ah, madame, tu n'es pas venue ici pour mes insultos. Je n'étais pas là quand est ton tapis. Tu ne m'as pas vu là-bas. Alors il faut que tu partes avant que je ne m'énerve maintenant. Dès qu'une fois, ils commencent à courir. Ne les gêne pas, mes sales gens. Ils ont commencé à fuir. C'est même qu'ils commencent à fuir. Femme, d'abord. Femme. Combien de temps Cécilia et Fumi vont encore vivre dans cette maison? À jamais si possible. Maman, je m'en fiche de l'accord que tu as avec eux. Je les veux hors de cette maison. Regarde maman, nous les voulons hors de cette maison. Maman, nous n'avons pas besoin de cousines. Nous ne les voulons pas. C'est difficile à demander. Qu'ont-elles fait cette fois-ci? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Maman, ne vois-tu pas qu'elles sont comme des grenades? Ah, demoiselle, arrêtez d'être hystérique. Oh, maman, sérieusement, tu n'as qu'à dire que Cécilia et sa sœur partent de cette maison. Maman, elles nous rendent la vie insupportable. Ok, je leur parlerai. Oh mon Dieu. Mais je ne pense pas que ce soit sage pour des mariés d'avoir des secrets l'un pour l'autre. C'est vrai. Ce mec se serait préservé de tout ce stress en parlant de son ex à sa femme. Tu as raison. Je le pense aussi. Sorcière et sorcier. Sorcière et sorcier. Elle est sérieuse là? Peux-tu imaginer nous appeler sorcières et sorciers? Dans notre maison. Cécilia. Cécilia. Bon appétit. Bon appétit à vous. À la fiche de camp. Toutes les deux. Mais pas là-bas.
c'est le piment. Cécilia, ça va les choses. Je te dis, non, Cécilia. Je te dis. Putain, qu'est-ce que tu as mis dans cette nourriture? C'est même quoi? Qu'avez-vous fait de la nourriture? Allez préparer. Quoi? Écoute, nous ne sommes pas venus ici pour jouer. Qu'est-ce que tu as mis dans cette nourriture? Mélissa et Serena, libérez cet endroit, sinon je vais faire quelque chose, vous allez regretter. Avant de faire quoi? Qu'est-ce que tu feras? Nous allons commettre une légitime défense. Dans la maison de mon père, sur le toit de mon père, tu es malade? Quel kilo? Mélissa 2 et Serena 2, quittez cette ambiance pendant que ma soeur parle. Sinon... Au quoi? Au quoi? Bili Bili ou... Bon, pour la tango, autrement tu vas cocogner à cabanon fidèle. Revenez encore ici, vous allez voir. Ils sont engagés la vie. Je crois qu'elles sont sales. Vous allez voir. Ne fuyez pas, vous revenez dans cette maison. Revenez, vous allez voir ce qu'on va vous faire ici là. Vous allez regretter pourquoi vous êtes né. Cécilia est fourmi. Qu'est-ce qu'elle arrive au repas de Mélissa et Serena aujourd'hui? Ah, rien au, hein? Fumi, ma soeur, a fini de préparer la nourriture. Hein? Moi, Cécilia, Servi, Céline, Mélissa, notre soeur. Et tu vas la fermer? Qui sont tes cousines? Nous les ressemblons? Ah, tu vois? Regarde alors, elle et ses soeurs sont en train de nous mépriser. Dans... Ils ne veulent pas nous respecter, même pour rien. Et ils nous appellent les gourmands, les gourmands. Et même parfois, ils nous tapent et ils nous demandent de rentrer dans la maison de Wagbe. Et ils disent qu'on attaque de tête. Oui. Jésus est Seigneur. Regardez-moi cette villageoise et menteuse. Yeah, voilà, yo, voilà. Non, je sais, la belle villageoise. Tu l'as entendu. Mélissa et Serena, vous devez accepter Cécilia et Fumi comme vos cousines. Je vous l'ai dit la dernière fois, elles resteront ici avec nous pendant très longtemps. Votre père a raison. Vous deux devez apprendre à les accepter comme votre parenté. Voilà. Maman, c'est mon cadavre. Je n'accepterai jamais ces deux villageoises comme étant mes cousines. Yeah! C'est comme ça que tu te dis. Tu vois, tu entends ce que tu vois. Tu entends. Regarde, tu as vu, nous appelle comme ça. Tu vois? Ça va, regarde. Regarde la façon dont vous traitez vos cousines. Vous les faites pleurer à cause de votre attitude. Papa, elles ne sont pas mes cousines. Ça va, d'accord, hein? Cécilia et Fumi, je vous en prie. Arrêtez de nous causer le chagrin, d'accord? Ça va. Essuyez juste vos larmes, ok? Nous allons le résoudre. Merci beaucoup. Pas de quoi. Dieu va vous bénir. Tout le temps est votre maison. Fumi, maman, rappelle-toi, une poule vivante et non celui du congélateur, ok? Poule descendre. Vivante, une poule vivante, ok? Poule descendre. Ok. Dépêche ton père par l'argent. Ok. Hein, mami, tu as encore appelé ça comment? Poule vivante. Poule glissante. Poule vivante. Poule glissante. Poule vivante. Poule glissante. Hé. Regarde les boutons dans ma face. D'où sortent même les boutons là, non? Hein? Mélissa et Salina n'ont pas les boutons dans la face. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hein? Je vois ça. Ça, c'est une belle la face de scintiller.
vraiment. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. C'est quoi comme ça? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ça chauffe. Sérénade et Médicette, comment ça va? Tu es rentrée. Maman, comment vas-tu? Bria, assiste-moi. Bria, aide-moi. Je veux plus être une grande fille. Je veux plus être comme Mélina, Sérénade, tout. Cécilia, mais quand tu mets sur ton visage? J'ai embaumé. Fais ce masque. Être belle, c'est douloureux. Ma face me chauffe. On peut soigner ça. Cécilia. Pourquoi n'as-tu pas lu avant de l'utiliser? Maman, il n'y a pas d'applique. J'ai ma chaise sortie de là. Ce n'est pas ce que je veux dire. Pourquoi n'as-tu pas demandé avant d'utiliser quelque chose de nouveau sur ton visage? Pourquoi n'as-tu pas posé une question avant de mettre sur ton visage? Moi, t'es seule dans la chambre. Personne ne peut demander avant d'utiliser. Il faut qu'on te trouve un peu d'eau pour laver le visage, donc. Non. Tu n'as pas besoin de le laver. J'ai un mathèse. Laisse-moi la ramener pour elle. Ok, presse-toi alors. C'est bon, non? Pour être belle, il faut souffrir, non? Laisse-moi, je te le dis toujours. Soufflez, calme-toi, Noël arrive avec. Soufflez, ça me chauffe. Mais il faut toujours poser des questions. Désolé. Merci. Pas de quoi. Désolé. Patience. Ça me chauffe. Sérina, tout. Sérina. Souffle-moi. Applique-lui ça. Souffle-moi. Ça va aller. Sérina, qu'as-tu ajouté dans cette lotion? Maman, je n'ai rien ajouté à l'intérieur. La crème sur son... Il y a trop de crème sur son visage, c'est ça la maman course. Je ne pense pas qu'elle a mis quelque chose dedans. Regarde comment elle se plaint trop de sa face. Maman, elle est en train de rire là. Tu ris, n'est-ce pas? Maman, je suis sûr qu'elle a mis quelque chose dans cette boîte pour se venger de Cécilia. N'importe quoi. Regarde, Cécilia, je ne serai plus gentille avec toi prochainement. Bêtise. Allons, lave ça avec de l'eau. Merci Seigneur, la paix est revenue. Oh mon Dieu. Ces filles veulent jouer avec le feu. Je t'ai dit chérie. Oh, Frangine, viens là. Allez. Je suis très contente. Je te dis. Écoutez les filles, j'irai en voyage avec votre mère demain. Je mettrai un peu de temps avant de retourner au pays. Nous n'aimerions pas rentrer et trouver que vous avez tué Cécilia et sa sœur. Donc je vous prie de vous rassurer de maintenir la paix dans cette maison jusqu'à notre retour. Papa, maman, si vous savez que vous voyagez,
je vous conseillerais de partir avec vos bagages. Excuse-moi? Croyez-moi, quand vous allez revenir, vous allez retrouver leur corps à la morgue. Vas-tu fermer ta bouche? Okay. Ferme-la! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vous deux devez apprendre à respecter ces demoiselles. Parce qu'elles sont beaucoup plus âgées que vous. Oui. Toutes les deux sont plus âgées que vous. Par conséquent, vous êtes censé les appeler tantine. Ah. Maman, s'il te plaît, même si je suis dans l'agonie. Bien. Je sais que Brian, mon fils, est capable de prendre soin de ses cousines. Il saura prendre soin d'elles parce qu'il sera l'homme de la maison. On a également parlé à Cécilia et sa sœur. Elles ont promis d'être de sages filles. Donc, je vous en prie. Prenez bien soin d'elle. Et toi, Serena, ce que tu as fait à Cécilia la dernière fois n'était pas bien. Ne le refais plus, d'accord? Bien. Sorcière, sorcière. Vous pensez que je suis morte, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, vos plans, c'est le chef. Oh, Cécilia, ce n'est pas les asticots que tu as sur ton visage? Oh mon Dieu, tu as les asticots sur ton visage! Qu'est-ce qu'il y a? Où est l'asticot? Question réponse. Va demander à ta soeur. Toi encore. Reprends ça, folle. Regarde-les, la génération des fous. Yeah. La cico, c'est ma face. Brillant. La cico, c'est ma face. Ah. Regarde, cherchez la cico, c'est ma face. Brillant, cherchez la cico. La cico, c'est ma face. Sur ton visage. Mais il n'y a pas d'astico sur ton visage. Melissa a dit l'astico sur ma face. Cécile, il n'y a pas d'asticot sur ton visage. Je t'ai châtié de ne pas écouter tout ce que mes soeurs te racontent. Parce que c'est sûrement toujours te mettre mal à l'aise. Non, moi je ne vois rien. Ma soeur, quand je veux faire ma part, Melissa de Céline, que personne ne se fâche. Que personne ne se fâche quand je veux faire ma part. Attends, je te dis quelque chose. Comment on fait ça, non? On va encore le faire la même chose après. Ah, tu t'inquiètes pourquoi? Tu vas voir. Hey, brillant. I see everything turning around. Frangine, nous les avons cette fois-ci. Puisqu'elles désirent ardemment vivre dans cette maison avec nous, nous allons leur montrer ce que c'est que la haine. Cette idiote m'a séparée de mon petit ami. Elle va payer. Ah, Frangine, je vais me coucher. Laisse-moi aller me reposer avant que les problèmes n'arrivent à propos de la télé. Ok, je pense que tu vas laver toi aussi. Tu laisses ton téléphone. Hey! Ils sont là, ils sont couchés. Notre plan va réussir. Fumi, est-ce que tu es sûr que ça marche? Tu doutes de moi. Tu sais quoi? Ils veulent faire ça chaque jour sans me reposer, ils vont voir. Je fais tout. Je me lève, je m'arrange, je m'habille. Bien, je fais ça. Ça me gâte pas. Dans les fesses, aide-moi à gâter. Dans les essais, ça me gâte. Aide-moi à gâter. Ça me gâte. Allons. J'ai le corps qui démange de partout et toi. Oh.
attendant tout ce qui va arriver. Hey. Tu vois, je te disais que il faut que... Sorcière, je sais que vous avez vos mal là-dedans. De quoi tu parles? Vous deux, vous savez quelque chose à propos de ça? Non, non. Mais ça aussi, laissez-moi vous dire une chose. Hein. Nous ne savons pas ce qui vous arrive. Hein, n'est-ce pas? Qui va vous aider? Arrêtez vos gratter, gratter là. S'il vous plaît, non. Et ton corps de marche. Oui, ton corps de marche, non. Dégrate ton corps. Pourquoi tu me regardes? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je demande à mes cousines, tes sœurs, Mélissa 2, Selena 2. Elles grattent leur corps. Elles disaient que c'est nous qui devons arrêter qu'elles grattent leur corps. Père, nous sommes mortes. Que s'est-il passé? Nous sommes montés en haut pour aller nous reposer. Et quand nous nous sommes couchés sur le lit, ça commence à nous piquer. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Mais vous ont dit qu'elles pouvaient vous aider à réduire les picotements. Est-ce que vous attendez? S'il vous plaît. Toi d'abord, descends sur tes genoux. Quoi? Et supplie-nous. Ok, nous vous supplions, s'il vous plaît. Agenouez-vous là. Pourquoi? Pourquoi? Ok. À genoux avant que je continue. Tu ne peux pas te mettre à genoux. À genoux, toi, et ferme tes yeux. Pardon. Laisse-le. Demande qu'elle soit à genoux. Mélissa 2, à genoux. Mélissa, à genoux, je ne peux pas parler avec toi. À genoux. Je ne peux pas vous aider. Là, on peut parler. Je dois aller payer les remèdes pour arrêter tes démangeaisons là. Alors, c'est combien? Dis-moi, Léna, là. Hein? Vous êtes folle. Hein, nous sommes malades, d'accord. Non, on va payer, on va payer. Oui, va prendre l'argent. S'il te plaît, va prendre l'argent, s'il te plaît. Toi, tu veux utiliser un kilo de... Tu vas utiliser l'huile de palme pour mettre sur tout ton corps. Quoi? Comme ça. Quoi? Gâte, gâte, gamondo, aide-moi à gâter. Gâte ici, gâte là-bas, gâte ici, gâte, gâte. Imagine à quel état ces deux villageoises nous ont mises. Nous ne pouvons même pas aller rendre visite à nos amis. Spécialement maintenant quand maman et papa n'est pas là. Hein? Passer ce jour de vacances avec cette tuile. Serena, j'ai un plan. Quel plan? Je ferai tout pour mettre ces deux folles hors de cette maison. J'appelle au commissariat. Pourquoi? Chut. Allô, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est la fille de monsieur Tiff Johnson. Monsieur, nous avons un intrus dans notre maison. Ah! Monsieur, nos vies sont en danger. Oh. Mon père n'est pas là. D'accord, monsieur. Nous attendons. Oui, monsieur. Ok, merci. Wow! Tu es vraiment maligne et intelligente. Je le suis. Chérie, le temps que maman et papa vont rentrer, ces idiots seront en prison. Frangine, je te dis. Regarde-nous. Toi, tu es plus mieux que moi. Ma paix est pire. De quoi tu parles? Regarde, regarde ma... mon cœur. Ah. Qui est là? Oui, c'est moi. Ouvre la porte.
Ah, officier. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? L'une des filles a appelé mon chef qu'il envoie un officier de police pour venir arrêter des intrus ici. Des briquois? Officier, il n'y a pas de brigands. Ici, je t'assure. S'il te plaît, pourrais-tu aller leur dire que je suis là? Vous pourrais-tu être un suspect? Ah! Mbanou, dis à Dibo. Officier, une minute, j'arrive, je ne vais pas les avertir. Ah! Petite madame! Petite madame! Viens, il y a quelqu'un qui vous attend. Viens! Qu'est-ce qu'il y a? Le policier est là. Et c'est qu'il est venu chercher les brigands et je lui ai dit qu'il n'y a pas de brigands ici, que madame et monsieur ont voyagé. Oui, oui, il est où? Je lui ai dit qu'il n'y a pas de brigands ici. Il est où? Il est devant le portail. Fais l'entrée. Hein? Fais l'entrée. Ok. Officier. Bene. Bonne arrivée. Merci. Alors, c'est vous qui nous avez appelé pour qu'on vienne arrêter des intrus ici? Oui, oui. D'accord, où sont ces intrus? Ces sont à l'intérieur. Toi, rentre à ton poste. Officier, entrez. Dégage! Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation. Et qui vous a invité ici? C'est moi. Je suis venu arrêter des intrus. Vous arrêtez qui? Ah, qu'est-ce qu'on a encore fait, non? Ok, je pense que je dois appeler mon père, maintenant. Ah, non, non. Allô, papa? Tais-toi. Je vais bien, merci. Elles vont bien. Papa, un policier vient de se ramener dans notre maison. Oui, il dit qu'il est là pour arrêter Fourmi et Cécilia. Je ne sais pas. Ok, patiente. Allez, tiens. Non, officier. Allô, chief. Désolé, monsieur. C'est mon chef qui dit qu'on l'a appelé d'ici, disant que nous devions venir arrêter des intrus. Désolé, monsieur. D'accord, monsieur. Ne vous en faites pas, je ne suis pas vexé. D'accord, monsieur. Je voulais vraiment vous le demander, monsieur. D'accord, monsieur. Tu es déjà en train de sortir avec mon téléphone? Tu veux partir avec mon téléphone? Officier, il fallait d'abord que vous soyez sûr de ce que mon père vous a dit. Je dois partir, monsieur. Désolé. Ah. Allez, on continue. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ouais. On fait comme ça. Ah. Comme ça. Allez. Pas comme ça. C'est comme ceci. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Allez. Allez, faire comme ça. That only heaven can make. Excuse-moi, viens-tu de toquer à ma porte? Oui, je l'ai fait.
Non, 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 ça c'est pas ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait de Serena? Brian, comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Je veux dire, je suis fatiguée d'avoir des problèmes avec toi. Vraiment? Je pense que je n'aime pas cette nouvelle Serena, je préfère l'ancienne. Es-tu sérieux? Écoute, je suis fatiguée de me battre avec vous. Vous êtes mes sœurs et je vous aime plus que toute autre chose dans ce monde. Allez, viens là. Ta sœur sait-elle que tu es en train de faire ça? Non, elle n'est pas encore. Si elle l'apprend, elle va probablement me casser la tête. J'espère que tu as cassé la tête. Ne t'inquiète pas, je ne permettrai pas ça, ok? Ça va, de rien. Si ces deux filles n'étaient pas mes cousines, au nom, j'épouserais leur mari. Fumi. Hein? Fais attention. Hein? Le diable tente ton cœur. Ah, ma soeur, tranquille. Je parlais juste pour mon cousin Béano. Bien. Béano est un bon garçon. Il est très, très intelligent. Oui, il est très intelligent. Oui. Je l'aime. Fumi. Enlève ça dans ton cœur, ce n'est pas bien. Non, non, c'est juste mon cousin, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu nous veux encore? Fumi, Cecilia, écoutez, je sais que je n'ai pas été juste avec vous, qui êtes mes cousines. Je suis fatiguée d'avoir des problèmes avec vous. Donc, je suis venue vous dire que je suis désolée pour tout ce que je vous ai fait à tous les deux. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Toi, Céline, tu viens pour nous supplier. Ah, vraiment, je suis étonnée. Oh. Ma soeur, laisse-moi confirmer si c'est Serena qui est dans ce corps ou bien c'est une autre personne. Pardon, soeur, confirme ça. Ah, c'est elle. Oh. C'est Serena, tu. Sûre? Oui. Je sais que nous sommes cousines et il est grand temps que nous commençons à nous comporter comme telles. Nous pouvons être amies en tant que cousines. Céline, tu vas être notre amie. Toi? Oui. Moi, Cécile est ta cousine. T'as pardonné. À toi, Céline, ma cousine. Je la pardonne. Moi, j'ai pardonné, pas le choix. Ok, je suis Fumi, ta cousine. Je te pardonne et j'oublie tout. Pour tout le mal que tu m'as fait, je te pardonne et je ne veux plus me rappeler ça. Serena. Hey Mel, bienvenue. Suis-je en train de te voir rire avec ces deux folles? Mel, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mel. Ah, qu'est-ce que c'est? Mel. Non, 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 non. Mel, oui. Est-ce que tu vas m'écouter? Je me sens trahie. Mel, écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute, Cecilia et Fumibi sont nos cousines. Oui, nous ne pouvons pas continuer à faire des problèmes avec elles. Mais ma conscience m'a dissuadée, donc je suis allée près d'elles pour leur demander pardon. Elles m'ont accepté. S'il te plaît, pardonne à Cecilia et à Fumibi. Accepte-les, ce sont nos cousines. Je t'en supplie, s'il te plaît, Frangine. Bref, tu as raison. Je n'ai pas été aussi juste avec elles. Cecilia et Fumi,
Je suis désolée de la manière dont je vous ai traité. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas été juste. J'étais égoïste. Désolée. Ah, mais c'est ça ma cousine. Je te pardonne et j'oublie, c'est tout. Nous-mêmes, nous ne sommes pas satanos. Oui. Nous sommes les enfants de Christ. Prayer. Oui. Brian, je suis désolée de mon comportement. Garde tes excuses pour toi-même, j'en ai pas besoin. Je sais. N'est-ce pas, tu me connais? Je blaguais seulement. Je t'aime tellement, d'accord? Je te pardonne aussi. Merci beaucoup. Allez, viens là. Allez, viens là, toi. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Oh, papa! Nous venons juste de finir la guerre. Ça va maintenant, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Mélissa? Oui. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est un merveilleux cadeau pour nous. Chérie, je pense que nous devons faire une sortie pour ça. Ouais! Allez. On y va.